أزين في الأول. مرحبا يا سوان. مرحبا يا سوان سلا راديو كانو. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite une bonne soirée sur la radio Berbère sans frontières. Dalil, à toi la parole. Azoula, fadil, Nabila. Azoula, il y a qu'un truc. Azoula Rosa. Salut Rosa. انتوا تزنزلي ديريكت لازم فليك دليل مازال في اللام صافا تسلا ابا اون شيرونوس فوالا اون ما ريكوبيري لا ديرنيير سكوند اون فادير فوالا دونك بور لي جون كي سون على ليكوت روزا هيير الا فيو ان بتيت امبريفيو الا با بي انيمي سون ايميسيون اي J'ai même pas pu animer chez moi aussi, voilà, donc je me suis récupérée qu'aujourd'hui, cet après-midi. Principal, tu vas bien. Voilà. Pour les gens qui s'inquiètent, eh ben, elle est là avec moi ce soir. Et elle va animer l'émission avec moi. Eh oui, l'émission d'hier qui devait être, enfin, que je devais faire moi. Donc voilà, aujourd'hui on va la faire ensemble, on va dire. Mais en tout cas, juste pour dire qu'on est au guider de cette jazz ou flaoun, مرحبا سونير كلي. Et voilà, on est là. Des fois, il suffit d'une seconde pour perdre une vie. Des fois, il suffit d'une seconde pour tout récupérer. Voilà. Donc hier, j'étais avec Miss Kabili, Mademoiselle Amira Mokrani. Donc, on était en train de préparer l'émission à 20 minutes avant l'émission et s'est passé une catastrophe. Et ben voilà. Donc, qui a tout remis en cause, on va dire, l'émission Gerlé. Donc voilà, c'est Gekou de Lille. Oui, on va dire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et comme il y a eu un imprévu, elle n'a pas pu faire son émission. Donc, vas-y, on a radio canu. Et merci pour l'invitation, Adeline. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous vous invitez comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Non, franchement, moi, sincèrement, ce matin, en tout cas, c'est Guy. Déjà, Adeline, il y a une lâche. Donc qu'est-ce qui donne tout ces mariages si ou franchement c'est dans les épreuves qui gagnent soit les nouveaux des messieurs nains et sincèrement je vous remercie beaucoup, vous êtes vraiment inquiété pour moi. Alors là j'ai dit tout à l'heure moi je casse des messages nains, j'y vais très bien, t'inquiète pas et tout ça, et je lui dis c'est voilà, donc j'ai deux frères, malgré que j'ai deux vrais frères, mais là j'ai deux frères on va dire de cœur, mais sincèrement des vrais frères, j'ai pas honte de le dire, voilà. Merci. On a le livret de famille. On est dedans, peut-être. Ah, exactement. Franchement, en tout cas, dans le cœur, vous y êtes largement. Merci à Rosa. Assinez à Zulia Merabah. Azulia, à mon petit. Mon neveu. Mon grand. Ça va? Ça va très bien. Pour l'instant. Toujours en forme. Alors, il n'a pas mis la chemise aujourd'hui. Pour l'institut, c'est la chemise. Ah, c'est fait chaud, mais non, tu vas toi. Oui, c'est vrai. On est mois de mai, tu vois. Non, mais la chemise. Voilà, Ahmed Hal. Sinon, il reste pour ça, il laisse une rosa. Allez, viens là. Viens, dis un petit coup. Viens, un petit bonjour. Viens, vite fait. Elle est humide. Vite fait, bonjour. Tu dis juste bonjour, moi je sais rien, un bonjour, non, un petit bonjour. Elle a le trac, c'est pas grave. On ne peut pas être timide, là, vous parlez à... Mademoiselle. C'est bien. Ah oui, ils protègent beaucoup leur maman, franchement, oui. Sincèrement. Eh bien, en tout cas, elles ont grandi. Seigneur Azoul et Nabila. Oui, parce que Nabila, je pense à Nabila de la télé, donc voilà, j'arrive pas à me la piffrer. Même Nabila, t'as sa guille ou dans la harada guille, ça fait quand même une année. Ouh, ça fait depuis 2013. Ah, ouais, quand même. Ah, ça fait que deux surprises, tu me dis ça. Ouais. Nuki et Nabila. Ouais.
Ah, Gunkin, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu n'es pas trop retrouvailles. Voilà, c'est ça. Azel Shlav, donc c'était la nouveauté, mais nous c'est un très bel album que je vous conseille, vous pouvez l'acheter un peu partout, Ifimours, Madif Gayet, Madif Tilzibzo, Madif Ouvirets, un très très bon album, moi, oui, oui. De la recherche, du travail. J'ai eu une copie du nouvel album, franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a un travail. Ça sort, oui, ça se voit qu'il y a un travail, oui, oui. Ouais. Il y a un travail, ouais, dedans. Donc, voilà, je crois qu'il a été invité récemment à la radio de Blida, après l'émission Radio Souma. Voilà, exactement. La télé, je crois aussi. La télé aussi. TV 4. Le moins 4. Ouais. Voilà, le moins 4, voilà. oui, oui, il n'y a pas de souci, ouais. C'est la moins 3, la moins 4, la moins 2. Bon, après les artistes, franchement, on va pas les condamner. Il fait du bon travail. Il fait du bon travail. Il fait leur pub. Il a un des Sfrah. Et en plus, il est Smurthner quand même. Ouais, Khalti, hein. Tout à fait. Ouais. Hey. Elle fait dans la recherche, elle fait vraiment un travail magnifique. Et on la salue et puis on lui souhaite un bon établissement. Voilà. Au Kouvel, c'était qui Lounes Sabi, que tu as eu l'occasion de recevoir, Rosa. Exact. Et ben, pourquoi tu ne l'as pas reçu d'ailleurs, toi aussi? Et franchement, son dernier album, c'est vraiment à découvrir. Sincèrement, il est magnifique. La Mazar. Ça me dirait, il y a l'hommage à Smotos, il y a l'hommage aussi à Sayri, franchement c'est un très beau album. Et puis Lounes Sabi qui est très très simple, qui est quelqu'un aussi qui aime la nature, la nature, c'est vraiment un personnage à découvrir. Et qui est l'artiste, moi c'est un Sayagi, bon dans le milieu culturel, milieu associatif, c'est quelqu'un qui active beaucoup, il a beaucoup activé au sein de l'association. Oh, mais un peu de musique là-haut. Ah, mais là, en direct. Oui, c'est égaré là. C'est quelqu'un qui a beaucoup activé au niveau de l'association à Moussina, où il a fait beaucoup de travail, il aide vachement les associations, les militants, les tout le monde. Donc, d'ailleurs, je l'ai convié pour le clip. Bon, voilà, je tiens à le dire, il n'a pas pu participer pour des raisons justifiées, on va dire. Voilà, donc, c'est pas, il ne voulait pas, il voulait en participer, mais il n'a pas pu. Voilà. Et puis, moi aussi, il y a un peu de temps. Ouais. Franchement, ouais. Magnifique. Voilà, donc, en plus, on espace de vraiment un petit moment. La chorégraphie aussi. Et c'est magnifique. Tu dis ça. J'allais dire Farouja. Allez, c'est pas grave. En attendant, notre ami Ali, normalement, il est en route. C'est un message à lui passer. Ali, Ali Zafaf, le sud de Sreflé. Voilà, donc elle est dans les agendas, les dossiers. C'est le de Sreflé. Alors, ça se passe bien, Bourg, l'émission J'ai vu que tu avais beaucoup d'auditeurs. T'es la radio, entre guillemets, dédicace. Voilà, la radio des artistes, numéro 1. Voilà, dédicace, je ne suis pas d'accord. Des artistes, oui. Oui, dédicace, non. Dédicace, bon, dédicace mais chez Nick. Tu fais de la dédicace aussi. Ah bah si. De temps en temps, T'en fais, moi. La semaine dernière, non. La semaine dernière, c'était l'émission One. Voilà, c'est ça. L'émission, c'est ça, les auditeurs. L'émission dédicace, c'est celle-là. C'est celle-là. Ça sort un petit peu de... Franchement, oui, ça sort de l'ordinaire. C'est-à-dire l'émission de Nkhdem, c'était mais je gamtiz les tinettes ça dire mais je gamtiz les tinettes تحفز la radio, ce qui veut dire il y a plus rien. Voilà. Et c'était magnifique, un concept chkis, et finalement les gens ils ont participé, et d'ailleurs on a tenu jusqu'à 23h30 alors que je finissais à 22h normalement. Que des chansons et ce qui était bien, c'est que les chansons que ils appellent Rachi, contrairement à ce qu'on pense, les chansons Zihni. Voilà, exactement. Et la qualité de tes auditeurs. C'est la qualité, voilà. Ouais. C'est la qualité qui compte. Ouais. C'est de ça. Oui. Il y a de ça, là. Alors, les amis, Amel Abahakla en direct, juste, on va terminer. Après, on va envoyer une chanson. Alors, juste, voilà, je tenais à te remercier pour ce que tu fais. Et puis, voilà, c'est bien. Et puis, même nous connaît d'ailleurs, c'est les 40 ans de la radio, la semaine prochaine.
40 ans de la radio. Ouais. 40 ans. Que moi je suis pas depuis 40 ans, mais. Echtine, ça fait longtemps, ça fait depuis quand il est là. Bon, 37 ans. Moi je suis attaché à Guy, ça doit faire depuis 2013. Non, 2013. Dis-nous qu'on se connaît depuis 2005. 2003. On se connaît depuis 2005-2006. Tu étais déjà d'Agui. Non, mais je voulais dire que c'était pas le nombre d'années qui comptait. Ah, c'est oui, la qualité, ah oui, bien sûr. La sincérité. Et puis, voilà, la fidélité avec les artistes. Exact. Et voilà, nous, on fait les émissions pour les auditeurs, pas pour nous. Voilà. C'est ça, on fait les émissions pour les auditeurs et pas pour nous. Et puis aussi, voilà, donc, venez me dire, je suis allé à l'école de Guy, je suis allé à l'école de Guy. C'est comme une vraie famille. Les bases, c'est quoi? C'est le respect, c'est le partage, c'est beaucoup de choses, énormément de choses. D'ailleurs, juste pour te dire, des fois, ils ont les auditeurs, le même chanteur, mais pas la même chanson. Et bien, je dis, je vous passe pareil, ou sinon, choisissez de finir la chanson de Sadir, parce que Sadir, deux chansons du même chanteur, Ahmed Al-Ghara. Et d'ailleurs, la semaine dernière, c'est Farid Faregui, juste par respect, parce que je ne peux pas y aller à l'auditeur. Parce que c'est une famille. Et une famille, tu ne peux pas aimer une sœur plus qu'un frère, n'aura ton fils plus que ta fille, etc. Et c'est ça la base. Et voilà, pour arriver à ça, il faut. Ton mari plus que tes enfants. Ah oui, ils font partie aussi de l'émission, de la famille émission Spar Berber. Ils en font partie. Voilà. Nabila, tu n'es pas d'accord? Tout à fait d'accord. Elle ne parle pas beaucoup. Si, je parle beaucoup. En fait, Rosane, que je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas faire... Moi, personnellement, les chansons que j'aime beaucoup, c'est les chansons Mato. Mm-hmm. Alors, franchement, Mato. Voilà. Si, par exemple, un auditeur, il aime ça, dit la chanson Mato, si c'est mon tour d'appeler, j'aurais dit Mato. Voilà. Alors, en fait, quand on lui demande Aït Menglet, elle met Matoub. Non, Aït Menglet. Et ce Sam Saïd, mais à l'envers, Nabila. Nous connaissons Sam Saïd, le technicien nar, d'ailleurs, qui nous a boycotté Chimie. D'ailleurs, me dit le Tsiliman Silifles, voilà. Qui nous a boycotté Chimie, qui nous a d'ailleurs assez politique, assez la politique à ses yeux, on va dire. Donc, il nous a boycotté un petit peu pour ça. Et la Kadir Hardagi, alors. Voilà, Kadir Hourich. Donc, il tient un Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il a dit, Saïd? دي فنينا سادي تفيرد فريكن سيدي سادي فرحتي مزيان سادي سادي بجمايرو دونك سي ام تي بو ميم سيستم نبي لك تصخا سادي وانت سادي سادي نو ماتو بي لي لي بلو غراند شانسون دامور سي ماتو اكزاكتومون alors saint valentin avec ماتو سي ايديال Une fan de Lounès. Voilà, un petit coucou aux youtubeurs qui sont à l'écoute, ils sont beaucoup qui nous écoutent, surtout Igad and Tuvirut. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le 20 avril à Guy, il y aura une marche. Le 20 mai. Voilà. Il y a une marche. Une marche à Bouira pour dire Blé Tuvirut, c'est la Kabylie. Ouais. Elle fait partie de la Kabylie. Entièrement. D'ailleurs, ça commence à bouger. En fait, du côté des intellectuels. Faut que ça bouge. Ouais. Du côté des intellectuels, il y a même pas une heure, Sami Chmini, fondateur du groupe Les Abranis, donc il remet une interview où il demandait aux gens d'aller marcher à Bouira. Il n'y a pas que les gens de Bouira qui vont marcher, mais les Kabyles de voilà pour faire un forcing voilà pas au fait je crois que ça a commencé mais pas à Bouira donc interdite. Voilà il a été interdit au Wissenten du coup Nana rendez-vous le 20 mai j'espère elle sera réussie mais il va être réussi d'ailleurs Bouira
a répondu avec une réponse cinglante au pouvoir en boycottant et en arrêtant même par moment dans certaines localités les élections. Oui, donc, oui, oui, on a vu, ouais. Les on a vu. Voilà, par exemple, on a vu, il n'y avait pas d'élection. Ouais. Voilà. Chafa du Meyour, du Rafour. Donc voilà, ils ont sorti les urnes, voilà. Il n'y avait pas de. C'était la réponse. Voilà, exactement. C'est ça. Salam, c'est à moi, Nabila, oui, tu veux dire quelque chose? Non. Ça va, tu te débrouilles, alors une petite formation à la technique rapide. Oui, voilà, ça va. Je viens juste de finir ma formation et là je suis à nouveau en formation à Radio Canu. Ben voilà, on espère que tu vas revenir. Hein. D'accord. Inch'Allah. Allez, vous pouvez nous retrouver sur le Skype de la radio, hein, c'est Radio Canu 69. Dans quelques minutes, on vous donnera la parole. La Miss Kabylie 2007, elle sera avec nous. Alors c'est l'actualité du moment, la Miss 2017, Amira Mokrani a été déchue de son titre de Miss Kabylie. Elle a également, d'après ce qu'elle a dit, refusé de parler en arabe, en kabyle, à la chaîne -3 algérienne. Et du coup, elle a parlé en kabyle, et lors de la diffusion de l'émission, on a coupé... On a censuré son passage. Voilà, c'est comme s'il n'existait pas ou du serre. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'était la volonté du comité Miss Kabylie et à sa tête Mourad Ait Ahmed? Est-ce que c'était prémédité de la part de la chaîne 3? On va tout vous dire, on va avoir Amira avec nous, elle nous dira ce qu'elle en pense, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu. Et on vous ferait votre idée, hein, tout simplement. Voilà, moi je prends pas parti, mais je me pose la question, pourquoi il y a toujours des histoires dans cette affaire de Miss Kabylie. Chaque année il y a une histoire, il y a un dérapage, chaque année il y a un scandale. Alors moi je dis tout simplement, si les organisateurs sont pas à la hauteur de Miss Kabylie, qu'ils arrêtent de le faire, tout simplement. Voilà. Ce qu'il y a là, le passage de Mourad à Berber TV, en fait, c'est une interview, je crois, hier ou avant-hier. Eh ben, il a dit le contraire. On va le faire en 2018, en 2019, et voilà. Zkar. Bah oui, c'est à l'image du pouvoir. Hein. Ouais. C'est le FLN, mais voilà. Miss FLN Kabylie. C'est ça. Rosa, qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à tout ça? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scandales en 2000. L'année dernière, bon, c'était une autre histoire. Apparemment, c'était une Algéroise qui voulait pas parler en Kabylie. Cette année, voilà. C'est le contraire. Donc en fait, déjà, voilà, c'est là qu'on voit déjà le sérieux de ce comité. L'année passée, c'était la Sarkveili. C'est le Sénat de la Sarkveili. C'est clairement que c'est la Sarkveili. Normalement, il y a un concours Miss. Déjà, on l'a dit, le concours avec Miss Kabylie. Généralement, dans tous les concours du monde des Miss, on prend toujours la France comme exemple. Donc, quand tu fais des Miss régionales, ce qui veut dire Miss Pays de l'Inde, Miss Rhône-Alpes, Miss Île-de-France, Miss Paris, Miss telle ou telle, donc tu fais toutes les Miss de la région pour justement après arriver sur un but de faire Miss France, donc il y a toutes les régions. Après, on connaît la Kabylie, c'est autre chose, parce que c'est la Kabylie, ça attache les régions aussi. Donc avant d'avoir la Miss Kabylie, il y a déjà un truc, une étape qu'on a, on va dire qu'on a négligé, c'est de faire des Miss déjà des régions. Ça veut dire un tour de notre Miss Michelet, voilà, Miss Larvatilasson, par exemple, Miss Michelet. Miss Iwadiyen. Miss Iwadiyen. Non, nous les Miss Iwadiyen, Miss Vedet, Miss Michelet, Miss Larvatilasson. L'Ensigedegilent. Donc, on a sauté une étape avant qu'on arrive à Miss Kabylie. Logiquement, oui. Logiquement, c'est ça. Avant d'arriver à Miss Kabylie, après chaque région, avoir... il va donner, exactement. Il va donner sa logiquement, on a loupé ce passage. Voilà. Donc, il doit y avoir toutes les Miss des régions pour après choisir la Miss Kabylie. Oui, il doit y avoir une sélection locale pour aller vers la sélection.
sélection régionale. Le Nismir demande déjà la sélection, c'est juste par rapport à un dossier. Un dossier avec deux photos, portraits, paysages, je pense. Et choisir sans doute, voilà, donc d'après toutes les histoires, là, finalement, il est fort. Donc sans doute, il y a la beauté de Chistine, il y aura juste le physique, voilà. Alors ça, que, c'est le but. Hein, il y a aussi les connaissances. Aussi. Généralement, tu vas élire une fille qui est belle, tu vas élire une fille qui est moche, Rosa. Oui, bien sûr. C'est pas... ça vous étonne, Chayine. Mais je suis vraie radinaire. D'ailleurs, Miss Kabylie, ou lâche, par exemple. Ça vous étonne qu'il y a de la fraude sur Miss Kabylie et les élections présidentielles. Voilà, c'est ça l'Algérie. Ça nous choque les conditions de pourquoi elle était enlevée. Et pourtant, il y a en Kabylie. Normalement, en Kabylie, il n'y a pas de fraude. Normalement, il y a la fraude même des Miss Kabylie. Non, mais je pense que c'est plus par connaissance. Par exemple, l'année dernière, il y avait Tartagagé. C'est de la famille au général. Ouais. C'est la famille au général, mais je suis dans les conditions. Quand tu présentes un dossier, non, Miss Kabylie, quand on dit Miss Kabylie, c'est quoi? C'est déjà tu t'habilles en Kabyle et surtout tu parles le Kabyle. C'est déjà inadmissible que la première condition de ce concours doit être parler Kabyle. Là, ça fait 12 ans. Ces organisateurs, ils se vantent que ça fait 12 ans qu'ils sont à l'organisation de ce concours, qu'ils sont très sérieux, qu'ils sont professionnels, etc. Ah, mais tu es sérieux, tu professionnel, et la première condition qui doit y être dans ce règlement intérieur, on va dire la charte de Miss Kabylie, elle parle même pas kabyle, c'est déjà pas logique. C'est inadmissible. Et ça c'est l'année passée, ça veut dire la 11e édition. Donc cette année on est à la 12e édition. Et le maire d'Amira à la Miss Kabylie 2017, cette année la première condition c'est parler kabyle. Ils sont restés 12 ans pour s'apercevoir finalement que parler kabyle c'est la première condition. C'est déjà... Non mais il n'y a pas que ça, t'as des jurys, franchement, c'est pas des jurys, il faut arrêter, c'est du n'importe quoi. C'est des jurys, mais laisse tomber. Ouais, tu fais un jury qui est compétent, c'est pas n'importe après, quoi. Après, Unzlan ou les jurys, que Pushven, je ne sais pas c'est qui les jurys, j'ai pas mais demandé année, à la Miss. N'importe quoi, ça doit être qui, des artistes, des investisseurs. N'importe quoi, Wardian Tres et compagnie, c'est du n'importe quoi, voilà. Bref, ouais. C'est toujours comme ça. Mais en tout cas, bon bref. Arosa, est-ce que nous avons la Midnid, Miss Kabylie, la Khatsavar, la Taqbaili. Normalement, Sandé, tu me connais un petit peu, je suis quelqu'un de tolérant. Comme l'Akhvayl, ils habitent un peu partout en Algérie, l'un des Annava, l'un des Ouharan, l'un des Alger, l'un des Moumardès, l'un un peu partout. Ça se prononce pas ça. Comme les autres régions, le concours de Miss, qui je trouve pas, je vois pas où il est, où le problème. Une fille Adassi Ouharan, il est kabyle d'origine kabyle, il le dit. Bon, c'est mon point de vue. Hein. Adassi Ouharan, Adassi Alger, pour conquérir et Wakati Miss Kabylie. Pour moi, c'est pas un problème. Ça, oui, c'est pas un problème. Même si Yagi d'ailleurs. Voilà, même si Yagi, exactement. Ouais. Miss Kabylie. Il faut résider en Algérie, par contre. Ça, c'est parmi les conditions. Il faut résider en Algérie. Arosa. Faut être résidente. Arosa, déjà, la plateforme de cette institution, ou les sites. L'agrément ou l'ech. Voilà. Donc, je l'ai su hier. Comme quoi, ils n'ont pas d'agrément. Donc, la condition est qu'étant par les Kabyles, moi, je suis tolérant. Franchement, je suis tolérant. Adassi Alger, il va conquérir. Il n'y a pas de souci. Miss Kabylie de l'année dernière. Mais attends, moi, je ne parle pas, je veux pas parler Kabyle. Ça, c'est autre chose. Elle veut pas. Ça peut passer. Maintenant, je veux pas parler en Kabyle. Là, ça passe pas. Mais moi justement, on a sauté des étapes tout à l'heure. Oui. Quand tu fais déjà pour Miss Kabylie, tu passes par les régions pour arriver à Miss Kabylie. Mais après, quand tu fais Miss Kabylie, c'est dans le but de quoi? Quand on a la Miss Rhône-Alpes, avant qu'elle arrive Miss Rhône-Alpes, ils ont fait déjà dans toutes les villes. Oui, bien sûr. Pour arriver à Miss Rhône-Alpes. Miss Rhône-Alpes va faire quoi?
pour se présenter à Miss France. Mmh. Donc nous connaissons logiquement pour France, après se présenter à Miss Algérie. Ouais. Pour qu'après la Miss Algérie, ni par exemple, si c'est Miss Kabylie, si c'est Miss Kabylie, Miss Algérie, et ben elle aura deux choses sur le dos. Tu vas te fâcher avec tous les, déjà parlé. Tous les souverainistes. Non, moi je dis les choses comme non, je les vois, comme Miss Kabylie, voilà, Kabylie c'est Kabylie. Hein. Non, c'est, Miss Kabylie, ça veut dire qu'elle doit être Kabyle. Il n'y a pas Miss Oran ou Miss Constantine. Oulèche. Non, parce qu'on a une spécificité, tu vois. Miss Kabylie, c'est Miss Kabylie. Mm. Ben, ou Miss Kabylie, dans le but de quoi? Miss Kabylie, ok, c'est bien. Elle va avoir après, des cadeaux, faire elle va avoir je ne sais pas quoi. Moi, l'idée que je lance, mais dans le but de quoi? Miss Kabylie, c'est pour après. Non, de faire Miss Tamazra. Voilà. Parce qu'on ne se reconnaît pas. Ça existe à Dalila. Parce que Miss Kabylie, après, quand elle va à Alger, elle va parler en quoi? Elle va non, faire mais c'est Miss pas ça. Nationale. Tu m'as pas compris, Adèle. Non, je t'ai compris, oui. Non, tu m'as pas compris, parce que quand on fait des mais Miss on n'est pas dans la même logique pour... politique aussi. Hein. Ah, on n'est pas dans la même logique politique. Voilà, ça, il faut. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, c'est. Mais je te respecte, pas de problème. Mais Miss Tamazra, cette année, c'était, je crois, une Marocaine. Est-ce que Miss Kabylie de l'année dernière, elle a participé à Miss Tamazra? Je crois pas, non. Non. Regarde, ce que c'est Guy, Miss France, elle est Miss Monde. Miss Monde de cette année, c'est Miss France de l'année passée. C'est ça. C'est-à-dire, nous connaissons, on saute des étapes, on fait juste le truc pour le truc, c'est tout. Mais on ne fait pas pour des objectifs précis. Tu vois, là, je parle du comité, hein. Je ne parle pas de la Miss. Hein. La Miss, c'est une jeune fille qui a participé, qui a eu son titre, elle a gagné, voilà. Donc, c'est bien, et tout ça, on est fiers, on est allé de notre région, c'est super bien. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du comité qui, finalement, ce n'est pas basé sur des bases. Il n'y a pas de... Vous voulez, je le sais, le concours, c'est-à-dire... Parce que tu es Miss Kabylie, donc après, il y a Miss Oran, il y a Miss Constantine, il y a Miss Algérie, je ne sais pas, dans le but, après, faire Miss Algérie. Et Miss Algérie, elle va bouger dans le monde. Miss Algérie, peut-être elle va participer à Miss Monde. Voilà. Donc après, ça c'est l'époque. Tu aurais que ça n'existe pas. Un des barbus ou lèche, ça n'existe pas ou lèche. Des Algériens ben la Miss. Non, mais ils ont une Miss. Ils ont une Miss. Parce que il y a Miss Algérie. Il y a des Miss un peu partout. J'ai bien compris Rosa. Donc Miss Kabylie, d'abord, ça doit passer par les régions, c'est-à-dire des Vigate, par exemple, ils vont faire Miss Laqsar, Miss Oqas, tout ça. Après Miss Vigate. Miss Vigate. Et si je vous au kif-kif, ils ouvrent le kif-kif, dit le Borj kif-kif, Boumardash, etc. Exact. Après, ils vont faire l'élection de Miss Kabylie. Les cinq finalistes de toutes les régions de la Kabylie, Boumardash, Bouira, Vigate, Tizi Ouzou, le Borj, ils vont élire Miss Kabylie. La logique dit ça. La logique dit ça. Mais on a sauté des étapes, on est arrivé direct sur ça. Et finalement, après, on se retrouve dans des problèmes, on se retrouve dans des choses finalement qui nous dépassent. Ou alors, l'organisateur a fait une interview, Néès, pour un concept européen. Je pensais ramener quelque chose. Et est-ce qu'on va essayer ou quelque chose que nous aurons laissé nous mettre L'idée en elle-même, franchement, c'est là. L'idée en elle-même. Oui. Simplement, il y a des choses bizarres qui se passent. Voilà. Mais après, bon, ça, c'est pas notre émission. Notre émission, c'est Mademoiselle Mokrani. Elle est avec Amira, nous, on va la prendre dans. Et on mixe justement le titre Nus, parce que elle a refusé de parler arabe. C'est tout à son honneur, elle a refusé de parler arabe. Elle est Miss Kabylie, elle doit parler en kabyle. Surtout des Tmous le Kveil. Et elle représente bien sa couronne, c'est bien. Moi, je la félicite en tout cas, malgré que on va dire dans le dossier administratif des Miss, tu dois parler les autres langues. Parce que c'est une richesse, c'est une ouverture au monde. Mm-hmm. C'est ce qui nous idéalise, on va dire. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Ils ont l'air des cheminées, ou si l'anglais n'a remis tout ça, et ben, elle a le droit d'être Miss Kabylie pour moi. Elle a le droit d'être Miss Kabylie, mais c'est-à-dire, je pense que parmi les conditions aussi, tu dois avoir... Elle a le droit de conquérir à Dalil. Entre être Miss Kabylie et conquérir, c'est différent. Elle a le droit de conquérir... Tu te présentes pour être Miss Kabylie. Attends, parmi les conditions, il y a la culture générale aussi.
Ben oui, parce qu'ils vont faire, ils vont faire un quiz. Non, un certain bagage culturel, c'est-à-dire... Ouais, ils vont faire un quiz... Mais il n'y a pas que ça, le niveau scolaire, tout ça rentre. Peut-être, elle est culturellement, dans les traditions, tout ça, elle est peut-être plus éveillée que celle de la ville. Oui, il n'y a pas de souci, mais si elle gagne l'étape ni culture générale, elle passe. Mais en même temps, tu ne vas pas me dire que tu vas, qu'il y a un concours de Miss, tu vas te présenter un concours de Miss. Au minimum, tu ne connais pas l'anglais, le français, l'arabe et le kabyle. L'arabe, bon, c'est le... Bon, on n'est pas dans le même truc politique, c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est-à-dire, attends, je sais que je vais avoir... Rosa, ne te laisse pas influencer, s'il te plaît. Hein. Non, non, t'inquiète. Rosa, il ne faut pas parler de l'arabe devant elle. Je sais, mais, ça... mais non, mais moi je parle de logique, de choses qui sont logiques, voilà. Donc, Amira, ça parle super bien l'anglais, ça parle super bien le français. Ça, justement, c'est à cause de ça. Est-ce que c'est, entre guillemets, est-ce que c'est le titre c'est la langue maternelle. C'est la langue maternelle. Et l'arabe, c'est ce qu'on a appris à l'école. Qu'on a imposé à l'école, peu importe, mais c'est la langue du pays où on habite, malheureusement, mais c'est comme ça. Hein? Bah, voilà. Non, la langue de la Kabylie, c'est le Kabyle, c'est pas M. Taraf, je suis désolé. On va une chanson, on écoute une chanson et on trouve derrière, on se retrouve avec Amira. Azdan, c'est le groupe Tarvat Nelzayer et Maziran, groupe Algérie Berbère. مازال ذو فيران تمصالحان اكيد
انت يا سي فلان وانت يا سي فلان ثلث مره موالف ما راني حالف ما نخلف ما راك تذوق اللي يتباع في السوق كي انت كي مثالك كلمه محال ثبتوا بها الجبال برد روحك راك سخون لا تذوب شوف فعالك راك متشمخ عندك ما تذوب وزع افكارك ودير حدود بقيس الميزان وتزن كلامك اليوم في يديك غدوة عنده لسان انا شكون بصح انت كول المقصود وبان Allez, elle est avec nous, Miss Kabili, Amira Mokrani, en direct, Sinera Zouli Amira. Change la parole à Chou. Azouli Amira. Allô. Azouli Amira. Sinera Zouli Amira. Elle t'a peut-être plus de chance pour ça, vas-y. Amira, allô. انا جا لها غير جا لها صلاص الو ايوا نسبيك كنا موحده كنا اميره مكراني دونك سي ميس كابيلي 2017 لا ديرنيير voilà donc au mixen le titrines donc c'est le titrines mais d'une façon on va dire ça s'est passé d'une façon on va dire un petit peu très étrange et mais logiquement Amira on va parler avec elle c'est elle Miss Kabili elle a toujours sa couronne avec elle elle a toujours son écharpe avec elle hier elle m'a dit que j'ai toujours l'écharpe j'ai toujours la couronne et la nouvelle Miss Kenes une écharpe qu'elle qui gère en papier alors elle, elle a l'écharpe de soie, etc. Donc, c'est, logiquement, elle est toujours Miss Kabili. Et d'ailleurs, le canal A3 est en moins 3 pièces seul, mais quand tu nous dis Lyon. Voilà, donc ils l'ont invitée parce qu'elle est Miss Kabili. Mais bon, voilà. Mais on va dire, entre guillemets, il y a mais, elle est plus Miss Kabili aux yeux des organisateurs, c'est-à-dire des deux organisateurs, là. Alors, la logique de Lille, logiquement, quand tu es élu une Miss, tu es sur un plateau de télévision, bon, pour les grandes, on va dire, les grandes puissances du monde, mais une Kounia, en tout cas, au moins, il y a des médias, il y a des jurés, il y a des jurés, il y a des médias. Il y avait une télé, télé qui a sponsorisé le dernier concours. Il y a des journalistes, et il y a d'ailleurs Mourad Hammami, notre confrère de Paris, et il a couvert l'événement aussi. Voilà, donc, il y a énormément de monde, et ils ont donc donné le titre de Miss, et bien, logiquement, quand tu enlèves le titre, ils doivent aussi être là. Ça va s'annoncer officiellement. Rosa, elle est là avec nous. Donc, je te laisse l'honneur, parce que c'est toi qui devais l'interviewer en première hier. Je te laisse l'honneur de l'appeler. Allô, allô. Allô, allô. Oui, Zulflama Mira Mokrani, Zulflama Samenam. Zulflama, on est dans la ville.
أزل فلما أميرة نصفي السمغر سيد ويلتن دليل ما أنت كسيت سيد ويلتن ديو أنت كذا مين أسمح ذم قراني يضلي تصفى صح الحمد لله من سلامات نعم على ليميشن تاع الخدمه سوا شولت كل هذا يا كي كان ولات نخمس كم سوا شولت بس نعاود غوري ما هو يا مكني امل مي هو افيك غران بليزير اميره داك صحي لو بليزير امو سلامينا من صفي سميتي كتريض اميره سافا سافا والله سافا سافا قلت لي الحزي ما يسمورت هذا كي نكوني نرواي طيش اه وين دابا كنا قلنا نرواي فوره ضمر عو تو سكو تي متنا شي تصمون كنا ندوموش يوغا ماش بعد ولا كني واقيلا وي بون اميره اميره مكراني يوز لا تصول دور تاغين غاف جوستمون غاف اسمي مشميني مسكابيلي 2017 دونك اميره جوست مقبل كنا نفزو سقسينك الدليل اللي كيبير كلي جو تي بوز ان كيستيون فا دير ان تي بو بيزار شو اون تران دو بارلي افيك كي اميره مكراني نار مسكابيلي 2017 اوفيسيلمون Les deux. Oui, bah, les deux. Voilà, les deux. Donc tu es toujours Miss Kabylie 2017, tu nous confirmes. Pour moi, pour les Kabylie, je suis toujours Miss Kabylie 2017. Mmh. Et donc, comme je l'ai dit, tu as toujours ton écharpe, tu as toujours ta couronne. Peut-être c'est là finalement que je vais voir peut-être on va dire la dureté de on va dire de ce domaine. Hein. في لو تيتر راه في الكونكور بدات ونديم غاره مي شغل صافي مال ما دغلي راه كي لعيبه هذاك يا لي فاس لعيبه هذاك شفنا لعيبه هذاك دونك صافي ان بو مال اي تون با دوموندي دو لو روميتر لا كورون اي لو تيتر سي سو ني د بون لي زورغانيزاتور سو ني د اشاك فوا قاني د صد ارتفك لا كورون ارتفك لا شاربين ni rassen mais il a trouvé même un conseil de genre un conseil de discipline si wim de les médias si wim de l'Igérie et il défend Miss Kabylie si wim il dardina c'est comme il doit prouver ou choisir fixer le titre qui est non à des cinq ans ou une tige qu'un blâme c'est n'importe mais juste bah cette colonne à 300 km dans la publication de Facebook bling qui je suis plus Miss Kabylie et c'est au moment où on te fait l'échappée que la course n'existe pas c'est ta femme là tu horreur Oui, à ce moment-là, Rosa, ce moment-là, depuis le début, comment ça s'est déroulé au début? Justement, Amir, voilà, comment ça s'est déroulé dès le début, mais surtout, c'est que ma sinim c'est Camis, ma sinim c'est Kadil, domaine Guis, même c'est dans cette équipe d'organisateurs, de cette équipe du comité, la Miss Kabylie, c'est que nous avons un règlement intérieur, la charte, on va dire. Et dans le règlement, qu'est-ce qui est écrit? C'est là quand même la clause Gui pour enlever le titre. Qu'est-ce qui est écrit la clause Ni? Arouza, ouais. Déjà, où est le contrat? Enfin, où est le contrat? Voilà. Ils ont fait des passages en Kabylie ou je ne sais pas quoi. Ils ont fait un petit quiz, mais voilà. Où est une clause? Hello. Oui, Amira, on t'a perdu deux secondes. Tu me le tiens à moi. Où est soit un contrat aussi d'ailleurs je crois ou s'il y en a un papier qui dit voilà c'est tel ou tel qui est Miss Kabylie ou là le contrat à la fin d'ailleurs d'après ce que j'ai compris elle a demandé son diplôme aussi du Kinara parce qu'il peut voilà. Oui, les organisateurs rahna ra Google a dit diplôme a dit mais le problème c'est qu'il y a pas de cachet. Non, c'est-à-dire je reste dire Amira, est-ce que mais je même ça dans le nisa ils vous ont sélectionné en tout cas, c'est-à-dire il y a 100 et quelques au début, après puis de nerveux donc après il y en a je pense après vous êtes 25. Mm-hmm. Aka donc après, vous êtes 25 officiellement vous êtes 25 qui sont représentés pour la finale le 2 janvier pour la soirée
Non, c'était dans la journée de 14h à 18h. D'accord. Lundi 25, 25 candidates. Donc je veux dire les organisateurs mais les membres du jury c'est vrai oui définitivement ils demandent la sélection à chaque fois on bat cinq finalistes demandent la deuxième dauphine la première dauphine et puis demandent qui est la Miss Kabylie 2017. Pour répondre à la question avant le concours les répétitions d'ailleurs le jour les répétitions maintenant toutes les 25 candidates une feuille qui n'est l'indice c'est une participation tu confirmes ta participation voilà il est dit que je confirme ma participation pour le concours de Miss Kabylie 2017 sur l'engagement c'est pour le juste la participation. D'accord. C'est pas un contrat genre ou lèche Zama les conditions qu'il faut respecter ou lèche c'est pour la participation c'est-à-dire je vais me dire mais là par exemple et ben maintenant tu es Miss Kabylie donc tu dois faire ça si tu dépasses ça si tu fais pas ça le titre il risque d'être enlevé ou des choses comme ça c'est-à-dire ils vous préviennent de ces trucs ou pas. Même si je suis nouvelle dans le domaine, mais quand même, vous allez voir comment ça se passe. Mais je suis dans le port de titre Nino, alors je dirais que Nino est un arachon. En bas, comme pour les organisateurs, nous sommes soi-disant les managers, les miss. Donc, normalement, on va signer un contrat d'une année. Il y a un arbre ici, dit oui, les contrats de travail. Normalement, c'est ça. Voilà. Certes, je lui ai proposé ça plusieurs fois aux organisateurs, mais Nisni, à chaque fois, il refuse. Il refuse quand on prend en considération de participation qu'on a signé le journée les répétitions. Sinon, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, ça n'a même pas juste signé, quoi. Ça veut dire, ça se peut que, par exemple, peu importe quoi, vous avez signé, mais sans savoir quoi. Non, qui n'est personnellement quand même on est des universitaires au Clénita. Le contrat de participation, il y a deux choses. C'est là que je confirme ma participation pour le concours de Miss Kabylie 2017. Mm-hmm. Il y a dans l'état un engagement de participation. Voilà, je fais de mieux. En bas de la signature Auxerre, normalement déjà, j'étais la seule qui a demandé une photocopie. Pour une Knistania, qui n'a pas une petite fille ou la chaîne d'entre ma photocopie de qui ou lèche. En bas de les organisateurs, très n'est pas si ou un skate. Finalement voilà. Alors déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, Mira, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, oui, de ton parcours, te présenter voilà. C'est comme d'accord. Si c'est gazard d'être dans d'où tu viens et comment t'as fait pour te présenter à cette élection. Voilà, tout simplement tu nous racontes un petit peu ta vie en quelques mots et puis derrière on rentre dans le vif du sujet, on va parler de ces problèmes. Oui, voilà. C'est Sivourné, c'est le village de Mendes. C'est le fait que le village où quand c'est des coches avec les trois Rosane Wadien Dalil d'origine Frikat n'kin el Frikat Les voisins, voilà. On est tous de la région. Chemin, tu as dans Pokli Hayat. Dans Pokli Hayat, exactement. Voilà. Voilà, étudiante Hsnawa, car anglais deuxième année. Je prépare ma licence en anglais l'année prochaine. En même temps, serre le bac cuisine, chmaïs allemand. Encore, je fais espagnol dans une école privée. Demain dans la formation d'hôtesse de l'air à Saint-Mazali de Moitzkfour. Voilà. Le concours, comment il de cette idée, Bachatrama, le concours. Puisque la famille, nous, les amis, nous, les choukis, ils sont nos cols. Tu vois, à chaque fois, je suis grande de taille, je fais 1m80. Peut-être, ça, je suis un seul ou quoi. Donc, ils m'encouragent toujours. Quand ils disent, donc, ni reste, Belek, peut-être, je vais tenter ma chance, Belek, il a fait les télés. Je fais mes inscriptions, je vais laisser un message à la page, je ne sais.
ومن بعد جوستومون دي ستفهمت لي زانونس كاميرا اسكو ولي تروفي لونيفرسيتي Non, il n'y a pas des annonces, même les concours, on a des affiches partout. C'est sur la page, c'est sur Facebook. Voilà, Miss Kabili. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Bah, le 12 janvier, on a fait la finale. Voilà, c'est ça. Alors, Amira, bien sûr, l'objet de ta venue sur nos ondes, c'est les problèmes que tu as rencontrés. Alors, est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment ça s'est déroulé ? Est-ce qu'on t'a déchu de ton titre avant que tu passes à la télé ? Ou alors tu es passé à la télé et puis après on t'a déchu ? Est-ce que tu peux nous parler du contexte dans lequel, dans lequel ça s'est passé, quoi ? Voilà. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est vraiment un point. J'ai pas dit que le Xeni le titre à cause de mon passage à la télé. Non. Mon passage à la télé, je crois que le Hadj Ken, il dit, je crois même que le Hadj Sbeken, il dit si il nous qu'il nous coule de faire le concours avec Miss Kabili, de faire où il nous coule et ramène les organisateurs. Donc, qui n'est le problème? Mais le midi, il veut être mais pour le titre, non? Bon, il a un moment, je demande toujours mon attestation. Alors, si tu fais l'attestation, il y a une Miss Kabili. Dès le début, il y a un message, d'ailleurs, les captures des quarantaines font un texte. Il y a un message, il y a un site, il y a l'attestation, il y a une édite, il y a les ordines, il y a une l'attestation. Donc, déjà, la première des choses, l'attestation, il y a une, le frère, c'est mon droit, il y a un ressort ordine. On peut comprendre qu'il y a personnellement une fin de semaine, une fin de semaine, de la façon dont je suis derrière. Il dit que tu n'as rien payé parce que pour ce genre d'organisateur, pour eux, c'est l'une des deux façons de payer. Je ne sais pas si c'est famille, mais pour lui, soit tu vas payer comme ça, alors comme ça. Bon, c'est-à-dire que tu vas payer pour récupérer ton papier, voilà. Quoi, c'est ça. Voilà. Ah, c'est-à-dire qu'elle paye, elle trouve aussi des remènes, mais où les chiffres des remènes, elle paye autrement. Pour récupérer son papier. Il faut être clair, c'est ça. Voilà. Non, mais ça, je l'ai bien compris. Non, mais pour les auditeurs qui n'ont pas compris, c'est ça. Non, les auditeurs, ils comprennent aussi, t'inquiète. Ah, pas tous, ça. Il y a des gens, il leur faut le décodeur. Amira. Il y avait Miss 2009, 2010, 2011, 2012, jusqu'à 2017. Est-ce que, avec Tim Zouerani, il y avait ce problème d'attestation? Est-ce que c'est des attestations ou c'est un terrain, le diplôme, je veux dire. Il dit déjà l'intelimisme les attestations. Est-ce que c'est à l'agrément? Les attestations. C'est pour ça qu'il y a. J'ai demandé mon attestation. C'est tout simplement. En bas, si tu veux avoir ton attestation, tu dois payer. Qui nous a appelé des attestations déjà. J'étais pas la seule. Qui nous a appelé la première en mai l'attestation. On m'a dit Yuritidif que on me dit que vous avez des problèmes, vous avez l'attestation avec qui. On m'a dit à chaque fois, bon, qui n'aime pas le titre de Miss Kabili, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle page, de la puce et ouvrir le numéro 1 HDIF. D'un seul coup, vous avez des numéros cheminés, vous avez des messages sur Facebook, vous avez des matériaux, à chaque fois je réponds, il dit c'est l'organisateur. C'est l'organisateur qui m'a pas qui il dit qu'un numéro il dit qu'un contact il n'aime une aide chauffe ma ah donc des gens qui te contactaient pour week-end, oui. Des grosses patates, c'est ça, les noms, mais il y a trois ou quatre personnes, c'est des connaissances avec les organisateurs, c'est des gens bien placés, voilà des gens XN, c'est la crème de la crème de la société ici, voilà les gens qui choisissent ici aux gens qui choisissent des Alger,
توس ان ان بو بارتون كاين ميم سي في نسين على مي ابري مي تشمن لي ميساج مي تشمن تحوي صرات فهمه كون شي كوريوز تفهمها دونك امشي تبدل لي بروبليم سوا tu acceptes soit tu acceptes de faire ça soit tu acceptes de sortir avec ça de sortir avec telle personne de faire ça de d'accepter ça sinon tu n'es plus Miss Kabylie je t'enlève le titre soit tu acceptes soit tu acceptes cette proposition sinon tu n'es plus Miss Kabylie. Alors Amira, est-ce qu'ils ont fait pareil avec les autres Miss oui. Avant oui. Oui, bien sûr. Il y a eu le problème avec la 2014, en 2012. Non, 2015, peut-être elles ont justement c'est qui t'as dans le coup c'est Amira c'est qui donc tu as parlé avec ces filles elles t'ont pas dit pourquoi elles ont jamais dénoncé pourquoi elles ont jamais enfin elles ont jamais sorti les choses quoi on a dénoncé les nahdarad mais ou les choses ou non ou les choses mais qui veut donner des nahs ou les mais qui je préfère ne pas être au de ma gare qui je préfère être mal chemin ou un la réaction est une attitude unique qui ne je peux pas accepter le hajjan que je vais même faire même si je vais perdre mon titre je ne peux jamais accepter des choses pareilles au sein d'un concours il y a une idée dans ma tête de faire le titre est-ce que la carrière est une peut-être par pour être les concours nés dans notre Kimela. Justement, Amira, quand tu dis de faire le titre, Chimini, jusqu'à comme ça, les gens, justement, ils vont nous comprendre. Le titre Miss Kabylie, Chimini, Kiki, justement, c'est quoi le titre Miss Kabylie? C'est-à-dire, c'est quoi les valeurs que tu voulais, justement, toi, présenter le rêve ينس ميكو تو سير اتخمر ميس كابيلي بصح الحاجه شغل طوله ضايق كنتي تاع قشيشين كنتي ولا كنتي بتيت في باربي كوا فوالا كوم ميم ستويابلي شي اون في كوم ميم سي اون فيرتي دو سور دان تيتر دو ميس كابيلي مي بوكو بلوس كو سا un projet dans ma tête je voulais vraiment être une association à Tizi Ouzou d'ailleurs la demande de qui à Tizi Ouzou ben est peut-être le titre né belle que je serai la première miss elle est sur une association qui pour être mal un petit projet ou clinique mais tu connais d'ailleurs le titre un film être mal deux clips un bad être ça Kini, j'aime pas Kini. Je voulais marquer mon nom, mon nom. Oui, c'est-à-dire, je vais les présenter. Présenter ta Kabylie, voilà. Présenter tes valeurs. Voilà. Après, peut-être bien. Derrière, faire des longs projets avec le nom de Miss, quoi. Oh. Voilà, alors moi ça. J'avais une question, qu'est-ce qu'elles sont devenues toutes les Miss Est-ce que elles sont devenues des personnalités Est-ce qu'elles sont devenues des actrices Ou est-ce qu'elles travaillent dans le domaine aguer de mannequins Moi j'aimerais bien savoir ce qu'elles sont devenues, ce qu'on leur a promis. Parce que... Kina... après le concours de Miss Kabylie balak khdemt lhaja ni puisque harchent balak slin ta profite ta chance les chances c'est Dieu seul mais jamais que les organisateurs khdemen et c'est khdemen les projets après le concours jamais les organisateurs jamais point d'un projet pour la Miss aqli hada ki ansin dinir fti de la Miss depuis 2005 aqla ankini 2017 fti de haja ou khadmem il a Miss après le concours roulage kini déjà le 8 mars quand même une Miss Kabylie déjà deux mois qu'il est pour le titre 8 mars qimar crème ou les il dit plus ouais non khadma même pas un défilé même pas aux arank une invitation dans un village nar cette date de la Kabylie comme une invitée le 8 mars quand même c'est la fête de la femme dans le harat fra je suis Miss Kabylie tu vas présenter la femme Kabylie ou là je suis dit pour ça dans gokham le 8 mars Mais normalement, Amir avec qui dit français. Miss France. Miss France, le comité organisateur de Miss France, ils vont suivre Miss France du 1er janvier à Ahmed le 31 décembre. Ahmed Assini, la couronne, et la future Miss France.
et voilà suivre ah, des oui. projets, les sorties, les parrainages bienfaisance, les hôpitaux, les associations, les plateaux de télé, tout ça. C'est le comité organisateur qui s'occupe de ça. Eh bien, nous connaissons le comité. Je me demande une minute, je suis. Voilà. Eh bien, nous connaissons le comité organisateur. Eh bien, il propose des messages Facebook, etc., etc. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. C'est malheureux. Voilà, une chose à titre comme là. Et nous connaissons le jour du concours numéro le titre. Bon, je suis fard avec ma couronne, fard l'écharpe, fard avec un bouquet de fleurs, avec deux téléphones. Deux téléphones et deux candor avec Iris. Bon, sur scène, il y a un voyage au Maroc pour la missile de Dauphine. Et dans le Dakini, juste après 15 jours, 20 jours, Dakini. Le voyage pour le Maroc. Mars. Je voulais profiter dans le haram, moi. Le voyage, c'est le haram, non, mois de mars. La réponse des organisateurs des choses, quand quoi, je ne dois pas dire, il est dauphin, il est dans le haram Maroc, il y a eu le cadre de Haïdes. C'est-à-dire, Haïdes avec l'organisateur. Voilà. Elle a très bien précisé que Yiddes, sinon j'ai pas de voyage. Comme Niras, déjà le voyage, c'est même que c'est avec les deux dauphines, avec mes deux dauphines, sinon je pars pas. Voilà, que si le voyage, on aura même pas le Maroc, on aura le voyage d'Inoxies. Le téléphone d'un Samsung Guide que je mets comme cadeau, il demi c'est Darren. Et pourquoi t'as pas dénoncé à ce moment-là le fait que c'était du voilà c'est du chantage hein, en quelque sorte d'après ce que tu dis. C'est du chantage, c'est du harcèlement moral, c'est beaucoup de choses hein. Pourquoi tu n'as pas dénoncé Amira? Justement, Amira, tu as dit tout à l'heure, merde, tu as fait un message Facebook, etc. Tu sais qui se mime, donc tu as contacté les gens au nom de l'organisateur, etc. Ou tu as dit que tu as dit que tu as mon numéro de téléphone, mon Facebook, il est là, je suis vraiment rôle, etc. T'as pas. Si tu veux garder ton titre, mais je veux garder mon titre, donc je dois accepter tout ça. D'accord. La réponse est Sven. Il était directement. Il est ici. Mais concrètement, est-ce qu'ils t'ont fait des propositions comme ça direct? Il est où je suis Google. Oui. Et Amira, donc. Non, mais est-ce que ce n'était pas des messages, non, on va dire codés, quoi? Vous pensez donc que les messages n'est qu'un sur Facebook, ils ont l'âme. Non, c'est là dans la school. Je suis acheté qu'il n'est ici, viens qu'il est directement. C'est-à-dire, il te dit, Amira, je t'envoie des gens sur Facebook, tu dois leur répondre, tu dois accepter ce qu'ils te disent. Voilà, il y a une personne à Rosa, je ne peux pas citer son nom. Je sais, tu me l'as déjà dit, oui. Voilà. Et c'est un ami à moi le problème avec elle. Voilà. Alors, Amira, on va prendre quelques appels hein, des auditeurs qui veulent te parler. Alors, je vais leur demander juste d'être bref, de poser votre question, parce que t'as si. Et surtout d'être respectueux. Et d'être respectueux. Donc, une question rapide, Sina Azoul et Nour, c'est américaine. Azoul Agma, c'est américaine. Avec un ami dans un Starbucks. Azoul Fela, ouais. Oui, très bien.
Moi je vois pas votre photo, votre émission. Oula, je suis au relief, c'est pas grave, c'est parce que la connexion transe. Donc, alors monsieur, si vous pouvez poser votre question à mademoiselle Mokrani, Miss Kabili 2007. Bon, en tout cas, je vous laisse, Amira. Félicitations pour d'abord Miss Kabili pour la dernière fois. Pour nous, tu restes toujours Miss Kabili, quelles que soient les conditions. Voilà, on te soutient, Inch'Allah, tu aimes toujours. C'est notre symbole de la beauté et de la dignité kabyle à travers le monde entier. Mais j'ai assez de mots pour vous. Est-ce que officiellement vous êtes déchu de ce titre Miss Kabyle? C'est une bonne question. Mais il est en renard. Ah oui. Est-ce que ce moment, au sens des données, au sens des preuves, vous êtes déchu? Parce que pour nous, tu restes toujours notre Miss Kabyle. Vous êtes élu par un jury qualifié, respectueux. Donc, est-ce qu'il y a un document officiel qui dit que vous n'êtes plus Miss Kabyle? Qui atteste que vous êtes déchu de votre Miss Kabyle. Pour nous, vous êtes toujours la Miss Kabyle. Pour vous et pour moi aussi, je suis toujours la Miss Kabyle 2017 parce que, premièrement, les chichou khadmar, Et la deuxième des choses, on a une connexion à les limites, donc en fait on a une connexion à les limites, donc on va être obligé de prendre un autre appel, donc merci pour votre question. Merci pour l'émission. Bon, je ne suis pas très loin de Amira, suite de Sokoltrine. J'habite tout près d'elle. Je lui souhaite un très bon parcours. Mais les chers, je vais guider les États-Unis. Les études, on est là, il n'y a pas de problème. On est là pour vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Nour Simarikane. D'ailleurs, on a oublié de lui demander d'où. Quelque part, j'ai marqué une brode à 130 américaines. Vous lâchez au relief. Amira. Achab Djilali, Assine Azouli, Achab. Azouli, la Kalima. Azouli, la Kalima. Azouli, la Kalima. Comment? Vous appelez d'où? J'appelle de Paris 12e. Paris, enchanté, Al-Sophie, enchanté, plaisir partagé. Alors, votre question pour mademoiselle Mokrani, Messa Achab. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous tous et merci de m'avoir contacté. Et bonsoir mademoiselle Mokrani. Bonsoir. Donc voilà, j'avais une question à vous poser parce que j'ai eu un contact suivant par rapport à cette affaire avec M. Aït Mourad, je crois que c'est ça, oui, si je me souviens bien, au sujet sur Facebook. Mm-hmm. Parce que, bon, lui-même m'a contacté sur Messenger parce que j'ai partagé sur Facebook, c'était inadmissible, enfin la page. Mm-hmm. Donc il m'a contacté et on a discuté gentiment. Donc, j'ai parlé des insultes, des menaces que ça faisait pas envers une jeune de 21 ans, etc. Et puis, il m'a dit que cette page de son téléphone qu'elle a copiée et partagée, c'était Photoshop. Montage. Alors, j'aimerais ça. Ouais, bon, c'est facile de dire ça. Hein. Que c'était faux, que le dialogue qu'il y a eu au téléphone... Les textos, les SMS partagés, comme quoi qu'ils étaient faux. On l'a fait. Alors, je voulais savoir si c'est vrai. Non. Bah, elle va pas dire que c'est vrai, elle va pas dire que c'est faux. Achab. Achab. Djilali. C'est le nom de famille. Djilali. Allô. Oui. Bonsoir. Oui. Je crois que.
l'un des premiers qui a soulevé ce problème sur Facebook, c'était le mois de février. Au fait, j'ai vu une Miss Kabylie déchue, une autre élue. Après, tout de suite, j'ai fait un montage, une publication avec Né. Tout de suite, j'ai contacté Amira. Elle m'a envoyé, Amira, il va le confirmer, je crois que j'étais le premier, l'un des premiers qui a eu la copie d'écran, c'était pas un Photoshop, immédiatement, je l'ai reçu immédiatement, et je gassais de net, voilà, il m'a menacé d'ailleurs tout quoi, j'avais même pas le temps de faire voilà, exactement, oui, chose, c'était sur place, pendant que je discutais avec elle, d'accord. Elle m'a dit, voilà, d'ailleurs, je gagne un message, il me l'a envoyé, une copie d'écran, je crois que c'est pas un faux, c'est un vrai. Et je suis même prête à montrer la discussion à Tel Mesaïti, sans même pas faire des captures d'écran. Je suis prête à faire la discussion. C'est là, c'est le cantine, c'est là, le téléphone, you know, si vous voulez, personnes à qui je vais montrer la discussion complète, mais c'est que capture d'écran. Non, très bien, non, mais je ne mets pas du tout votre parole en doute. Voilà, il voulait une confirmation de la part d'Amira. Oui, bien sûr. Une confirmation. Parce que sur la page que vous avez partagée, la page des textos envoyés, votre dialogue, on voyait pas son numéro de téléphone. Bon, vous l'avez peut-être volontairement caché pour pas divulguer ses coordonnées personnelles. Mais c'est une question que je lui ai posée. Il m'a dit que c'était faux. Il m'a dit que c'était depuis le 29 ou le 28 mars que vous avez été déchu de votre titre, et que c'était fait bien avant cette histoire-là. Est-ce que c'est vrai que c'était depuis le 29 au 28 mars, d'après lui? On vient de parler. Bon, premièrement, on vient de parler de tout ça. Ned Billing, Inkini, je mens pas. Inkala de la réalité. Le titre, non, de Nira Billing. Les organisateurs qui signent le titre Inno après mon passage à la télé. C'est qui c'est une autre histoire ou qui c'est une autre histoire? Non, c'est pas la télé, non. Le titre Inno. Non, c'est pas la télé. La télé, c'était avant-hier, voilà. Alors que l'histoire qui te voilà. ça fait deux mois, trois mois. Ils ont décidé de m'enlever mon titre bien avant mon passage à la télé. Au fait, c'était au moment où tu as demandé ton diplôme et comment ça, les problèmes, Ksenamt. Au fait, Ksenamt, verbalement. Mais lorsqu'ils t'ont invité à la télé Mirat, tu étais à ce moment-là déchu du titre. Enfin, de la part. Mais on ne peut pas dire ça parce qu'il n'y avait rien d'officiel. Il n'y avait rien d'officiel. Il y avait juste une publication. Mais Nifini, ils t'ont invité en tant que Miss Kabylie. Voilà. Voilà, parce que je suis toujours Miss Kabylie. Il n'y a pas quelque chose d'officiel qui dit que je ne suis plus Miss Kabylie. Voilà. On ne peut pas prendre une décision pareille d'enlever un titre à une Miss avec une publication sur Facebook. Tout le monde peut écrire une publication sur Facebook disant que telle personne est victime de Miss Kabylie. Mais, ah oui, de la preuve. Ah oui, les jurés n'y sont pas Miss Kabylie. Voilà. Tel merci, Djilali. Merci, Kafou Saoulinik. Merci beaucoup. Je vous en prie. De toute façon, excusez-moi si je peux rajouter quelque chose. Oui. Bien sûr. De toute façon, Miss Kabylie, mademoiselle Moukrani, vous êtes dans notre cœur, Miss Kabylie, toute la vie, pas que pour une année. Et on vous félicite de votre comportement. C'est une fierté pour nous, les Kabyles. Et voilà, donc je voulais vous rajouter ça et je vous remercie. Merci. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci à Djilali. Merci Djilali. Voilà. C'était Djilali chez le Paris. Alors, Amira. Deux secondes, Amira. On a notre technicien. Michelet. Ah bien, la machine vournée, un Michelet. Voilà. Azoula Dalil. Azoula Dalil, Rosa. Moh, Darava. Nabila et les auditeurs aussi. Azoul Flawen. Voilà. Et puis Azoul. Quelqu'un va t'arracher. Les rires que c'est le Michelet. Ah, d'accord. Oh, tu mets ta gendarme, tu mets ce programme. Ah, ouais. Attends, c'est l'inflace d'ailleurs. C'est l'inflace, carrément. Allez, écoute, pas de.
patronnerie, eh ben, hein. Eh ben, Kalima, je t'embrasse très fort. Hein. Ouais. Et qu'on est tous en ordre. Tu sais, c'est rare de dire au revoir à Ali. Généralement, il arrive à 21h, il part à minuit. D'habitude, puisque aujourd'hui, c'est une émission à Flemish, c'est une d'accord. Non, d'habitude, la musique de la radio, on en soirée, mais d'où elle est la clé de la radio. C'est vrai, la musique. Allez. Non, non, c'est ce qu'il fait d'habitude. D'habitude, il enlève la prise du poste, comme ça sa femme elle peut pas écouter la radio. Il embarque la balle du poste, il va en soirée. Voilà. Franchement, le technicien n'arrive de mettre une pire. Mais tu peux lâcher une carrière de sang, ça aurait été difficile. Donc tu vois, ils sont pareils. Allez, on ferme la parenthèse à Rosa. La parenthèse, voilà. Condamné à mort. C'est quoi que tu me dis à sa femme? Voilà. Donc, la miss. Voilà, alors Amira, justement, donc, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux passage à la télévision, à la chaîne à la moins 3 Yagi? Est-ce qu'on t'a vraiment interdit de parler en kabyle à la télévision algérienne? Déjà, c'était quoi comme émission à Kalima ou à Amira? Kalima, d'ailleurs, on parle de Kalima. Rana. Voilà, là, c'est qu'une émission. Bon, ils m'ont contacté pour une invitation à TVA3, à Rouhar. Rouhar, l'Hakka Gardina. L'émission, c'était enregistrement, je l'ai dit, dans 4 jours normalement. Enfin, ce n'est pas une émission directe, mais c'est direct. Comme pratiquement 90% du programme algérien. Voilà, exactement. L'enregistrement, on ne sait jamais. Tu mets le Kinamera ? En bas de l'Hakka Gardina. Oui. Allô. Oui, Vincent. Oui. On va l'Hakka Gardina, on va faire l'émission normale. 5 minutes à 10 minutes, tu sais, d'ailleurs, les journalistes. Il y avait deux journalistes, je parlais. Il y avait un kabyle. Je précise, c'est pas le kabyle, ni du Sanaroliné, ne parle pas en kabyle. Amira, entre parenthèses, il est de notre région, non. Voilà, il est de Bono, exactement. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Il sait d'abord le journaliste n'est winna à l'avenir. Il sait d'inaide, écoute, parle en arabe. Inaide parle en arabe, c'est mieux pour toi. N'as-tu la réponse ici? Elle est remise. N'as-tu mon collègue mais les charpes que je porte sur les kirs? N'as-tu ce que tu as fait? Mais ça arabe, n'a autre chose. N'as-tu au moment que je suis Miss Kabylie? N'as-tu je suis là pour représenter la femme kabyle? N'as-tu invité? Autant que Miss Kabylie 2017 n'a cette hadra, ça prévient, ça prévient cette hadra. On va une vraie émission. Aucune 30 minutes n'a. Je suis d'abord le journaliste. C'est la dernière fois que je te demande de ne pas parler en kabyle, parle en arabe, parce que l'émission appartient. Ah, t'as drôle déjà, t'as drôle. T'as commencé à parler déjà en kabyle. C'est-à-dire que tu as fait ton passage. On l'entend mal, Amira, on l'entend mal. Hein. J'ai fait mon passage. Allô. Mon passage. T'as drôle déjà, oui, d'accord. En bas, du 7 à Narori, ils ont une stop. C'est une émission. Il s'est d'abord dans une idée en arabe. En arabe, on ne parle pas en kabyle parce que l'émission appartient à TV3, que l'UNTV. Mais le cinéma, le passage, je suis pas sur le responsable. Responsable. Qui n'as d'accord. Je vais faire mon émission en kabyle. N'as un badin, ils vont les droits. C'était comme ça. Le passage, Adda. Les journalistes, c'était un samedi le matin, c'est au lit de l'un des invités il y avait des invités qui dit et c'est au lit dîner de blé quoi c'est l'émission à 10 samedi qui n'est comme d'habitude à la page non Ahmad l'émission à 22h30 le samedi les amis non la famille non on a déjà eu l'émission à dire de l'émission ils ont fait comme si je n'étais même pas là bas. Ils ont fait un autre montage qui s'est nié cool. Qui s'est nié cool après la présence, non ? La censure, oui. Ou tu existais dans le cool, c'est comme si... Comme si... Ouais. À la présentation, je mets le premier invité, est-ce que je mets le deuxième invité ? Attends, je mets le deuxième invité. Oh, finalement, on lâche que même pas un seul mot, on lâche rien du tout. Je me disais, mais là, mettre Francis Plateau, justement, mettre Francis Plateau, merci pour l'intervention, bonsoir, etc. C'est-à-dire, t'as fini ton émission. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à la fin quand t'as fini l'émission? Toi, t'as pas demandé la copie, par exemple, aussi? Faire l'émission, directement, parce que déjà, c'était à 22h, ils fait l'émission, ils ont même pas parlé, ils m'ont même pas contacté après l'émission pour me dire merci, ou quelque chose pareil. Juste le samedi, alors on attendait l'émission à date. Et finalement, c'était le coup de signer la présence. Ils nous ont fait un autre montage que c'est nous que la présence. Comme si je n'existais même pas.
Et tu nous as contacté derrière, Narela. C'était quoi ta réaction quand tu as vu ça? Tu étais énervée, c'est sûr. J'étais vraiment énervée et déçue parce que j'étais fière de parler ma langue, de parler la langue kabyle. Parce que c'est la première fois, je sais pas moi, que c'est une langue officielle et nationale. Donc j'étais fière de parler cette langue entre des Arabes dans une émission à TVA 3. Mais juste après, je te retrouve que c'est même le passage. J'étais vraiment déçue. Je te mens pas, déçue vraiment. Amira, les journalistes te posaient les questions. C'est qui m'aide Starav, qui m'aide. En arabe, oui, en arabe, qui est en kabyle. Mm-hmm. Et le journaliste était en kabyle, donc il pouvait bien il posait les questions en kabyle. Mm-hmm. Et soi-disant, ta mère sera l'officiel. Enfin bref. Est-ce que parmi les journalistes, il y a eu Mdinan, qui m'a dit que c'est Mdinan, mais c'est en l'émission. Oui, ils lui ont dit, oui. Ils n'ont même pas de. Mais tu les coulisses, des plateaux. Le journal, c'est un kabyle. Normalement, ils pouvaient bien faire un geste, de poser une question sur Kabylie. Voilà, comme quoi, c'est Miss Kabylie Glendina. Mais ce n'est pas n'importe quelle fille, n'importe quelle femme, n'importe quelle personne. C'était Miss Kabylie. Il aurait dû. Au fait, nous, elle a des émissions Staraf, la télévision algérienne, où les animateurs, les journalistes, ils posaient des questions kabyles. Mara Mara Kataya a dit une question sur Kabylie. Quel genre de questions? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions sur la vraie femme kabyle, sur les valeurs d'une femme kabyle, etc., etc.? Mais tu as beauté, ils m'ont posé des questions qui ont le concours. Je suis dans le concours. Je suis dans le concours. Je suis dans les projets. Une remarque. C'est moi qui ai demandé aux journalistes. Mais c'est une émission. C'est moi qui ai demandé aux journalistes de me poser la question pour la tenue. Lui, il n'a même pas pensé de me poser cette question. Je porte quand même une jolie robe avec ce souvarno, ce libijounas. Quand même, je mérite une question à Flarobek qui d'Anoui Tichard, d'Anoui, ainsi de. Mais ça les intéresse pas. Déjà d'une, c'est pas des professionnels. En fait, je pense que Moi, je voulais élargir un petit peu le sujet, le thème. Sagad Nsmislay a fougouran ni dmlal di temziz ltaqi Amira li tombe de yari fassen gad msaarani fa gad msaar al harma ama les organisateurs ama de la télévision, les journalistes, etc., le canal à 3. Mais je voulais élargir parce que le Qvail, je voulais sortir un petit peu du sujet. Le concours lui-même, Thimziz Ltagi, le Qvail, en général, il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens Thimziz Ltagi. Il faut qu'on rentre dans la modernisation. Il y a des gens qui ont été donnés. Il y a des gens qui ont été tabous et tout. Donc le concours a été fait. Il y a on doit rester dans les traditions. Famtoth ni finis l'hmalay zayna finis smis la botines zayna von machi hacha la beauté la thirugza la femme kabyle n'expose pas son corps à Ouyad. Donc c'est un problème réel sur le terrain, c'est ça. Je voulais que les auditeurs aussi interviennent par rapport à ça. Que pensez-vous? Anou que ça a le haq, anou ça a le haq, je suis tic tic ouin ou non si. Non, mais c'est vraiment une question de le haq aussi. C'est un problème réel, c'est l'un contre les concours à guillemets. Voilà, c'est pour rester dans le. C'est un cirque, c'est pas des concours, c'est des cirques. En tout cas, voilà. Donc ça, je me demande la fin de la Wilt parce que là. Amira, un auditeur, Sami, il y a un qui me dit ceci. Allô?
الو ازول فليك اسامي الو وي ازول فليك الو اسلم من هون اسلم انك اسامي لا اسلم كودي كي دي سلن ثم زهور ثسينيغ فيليسيتاسيون الى ميسي دارد مسايا ميرسي صحيت تسابع على الاكتواليتي نتمرث مي اسير دي ساول سمير لي فيديو لا مي سعيد يعني فرحنا تسيلين تسيلين تمسيز لينا مسي ذيك هي زين قرح ظاني من سلاك شي ظراني تبهتي لي لورغانيزاسيون لا ميس ابارامون لعب دوك سعنا راه expérience, ils sont pas professionnels. Mais si excuse-moi de te couper, Samy, mais c'est dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans la chanson kabyle, par exemple, c'est comme ça aussi. Les femmes, les chanteuses, eh ben, on les produit les pas. Actrices, etc. Les acteurs, etc. on les produit pas si il y a pas compensation, s'il y a pas quelque chose derrière. C'est comme et c'est ça. Pour ça que maintenant il y a plein de chanteuses aussi qui s'autoproduisent toutes seules. Exactement. Voilà. C'est très grave, c'est un phénomène vraiment. Il y a toujours des pervers. Non, exactement. Bah oui. Bah, Samy, c'est une même dans les associations à Dalé, dans les radios, partout. Hein. Non, Samy, c'est une fille, Amira. Ça coupe, allô? Oui, oui. Là, Samy, c'est une fille. Samy, c'est une fille, c'est une fille, Amira, c'est une radio. Attends, c'est que les auditeurs, c'est une fille. Non, parce qu'elle nous fait mal, est-ce qu'elle est toujours Miss? Non, mais je suis de Miss. Est-ce que de Miss, non, il est Amira, il est non, de Miss. Amira. Tu suis vers la Kavaye, je 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 suis vers l'audiovisuel il d'ici 2011 non 2012 ça le chemin du flashin c'est très beau les la TV4 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 Glen Dula il est où il a carré des adines ici il est où il a carré des adines mais ça voilà flashin périvé le choc fixe ça les mêmes des dénus chaîne périvé c'est très beau les si on va te laisser tu as dit ou tu as généré ou tu as généré l'un qui sera comme Zaire TV tout ça mais elles sont contrôlées par un clan voilà, du pouvoir exactement. C'est un clan contrôlé soit tu fais ce qu'on veut par exemple Zaire TV Zaire TV c'est un autre clan du pouvoir voilà c'est vraiment un maquin de la démocratie il y a une opposition mais voilà en fait ils jouent ce jeu d'opposition. Hein? C'est Haddad. Haddad, Ali Haddad, ouais. Voilà, justement. Haddad, nous sommes d'ailleurs. BRTV, c'est une chaîne française. C'est-à-dire, France, les élections, fait une guerre en France, c'est Haddad, c'est le Kabyle. Ou c'est Sassner, c'est les émissions, c'est mort. Ou tu habites notre devoir, c'est mort. Tu seras en Canada américain, en Canada. Eh bien, franchement, tu as dit quelque chose de magnifique, Ayma. Justement, BRTV, normalement, c'est parmi les premiers médias qui va couvrir ce concours. Est-ce que BRTV fait ce devoir, mais c'est ça qui me donne à faire des comptes? La télévision a. Est-ce que BRTV, c'est un devoir? Si, là, c'est une interview avant de dire Wakila. L'appel, c'est au Nid, Hadara. Mais on fait ça, la même chose avec les organisateurs, c'est au Nesnulen Nisni. Voilà. Ça, c'était par rapport à cette polémique. Mais ouais. Avant, quand tu étais élu, est-ce que BRTV. Les plateaux, ils n'intéressent pas. Non. دي لا راديو تمسلي في القبيله قد تمسلي استقوي لي شو تمسلي ما استرون ها باسكو سي الراديو اي ماذا قلت تمسلي شويه استقبالي شويه استروميت باسكو لان قدود نفهم راه فقبالي تمسلي استروميت 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 نبغى ما نبغى نزيد استروميت نسلي راديو استروميت نبغى نسلي استقبالي تسلي فقبالي يربح حاجه ما تساعد الحق فوالا دونك هذا سقسي هذا سامي خدام مازال لي زوديتور نيزنا سامي لا سقسينو بعد زار كان ما عرضتي دبير تي في فينال ماشي داري نارا نو خاطي جوست ان ابل كان ساول نزد كان سي ولن فوالا دونك تي داري نارا
وتي دارزنا لكم ما كنيس لا لا سي لا لا سدير لي ليكسيون ما كنيس لي مكني كاليتي ميس تعرف مي دي فمور سا لي زانتيريس با فمور مي ما كيس لا بوليميك اي غير يلو انفيتي يلو انفيتي نتس اي لو انفيتي لي نيغيش بار رابور على لا بوليميك شخ منام دوز فوالا Voilà. Par rapport à la polémique, ils l'ont invité. Ils ont invité les organisateurs, mais pas avant. Avant, ils ne l'ont pas invité. BRTV, ça ne les intéresse pas. Comment les plateaux disent, moi, tu es venu. Exactement. Nous les médecins en français. Vous allez voir comment ça va être. Exactement, Samir. C'est juste le nom d'ici, c'est un BRTV, mais si vous avez une glace d'achat, mais je suis très belle. Ça rend mieux, non, je suis. En tout cas, je suis un message, Samy. Amira, justement, dans les médias, adresse justement depuis la polémique. Est-ce qu'il y a des médias, c'est-à-dire Zine Nadil Zahir, machine qui t'ont contacté, c'est le Rarva, Andor Nadil Zahir. Est-ce que Zine Nadil Zahir, il y a des médias qui se sont intéressés à ton affaire, manifester, intéressés à ton affaire, par exemple TV4, les autres, etc. Même, est-ce que c'est que la chaîne privée, en tout cas privée, je dis chez toi, mais bon, DRTV, etc., tous les autres médias. Est-ce qu'ils t'ont contacté localement enfin... Personne. Non, jusque-là, je suis une journaliste louatane de Houssen. Il m'a contacté, c'est le numéro Yines, si tu acceptes un entretien, journal louatane, on veut te faire un entretien. On a pris rendez-vous, on est la semaine à qui il n'y a pas encore, mais elle. Justement, Amira, donc, chronologiquement, je vais vous dire que vous avez eu le débat et en attendant les appels, Nabila Saad, peut-être à Sarksi. Saad, à Sarksi. Azula Amira, je m'appelle Nabila. Miss Laksa. Eh bien, tu sais quoi, c'est la première fille qui a porté la robe Kabyle le 20 avril, c'est en quelle année? Voilà. تقرا للمشاهدين انت مغارصه وين بلا دونك بغيت نسقسي اميره فوالا مي بغينا نكسل لي تيتغ فوالا كسلنا من التيتغ فوالا نو كسلنا راه فوالا زعما تعاودوا بينا فوالا مي بغينا نكسل التيتغ بور لاستون كسلنا راه اوفيسيلمون داكور Mais voilà, puisque Soline, voilà, ils ont élu une autre Miss, ça veut dire Rolson Emek Nksenem le titre. D'accord ? Voilà, c'est de la réponse humaine, Rolson. Rolson, voilà. Rolson. Mais voilà, quand ils ont annoncé sur Facebook qu'ils ont élu une autre Miss, est-ce qu'ils ont dit les causes Bachik Senkimchimé autant que Miss ? Voilà, justement, je sais que tu as l'air chronologiquement un cumul. Mais normalement, voilà, et c'est les jurys qui m'ont fait mes nerfs, c'est Duncan comme Miss. Voilà, officiellement, et on va dire, Miss. Je veux savoir la raison. Bachir, Zahma, Rolson, Ksenkim, comme autant que Miss. Voilà, justement, Mira, chronologiquement, elle pointe qui, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit le titre, est-ce qu'ils t'ont convoqué, quand ils t'ont convoqué, et surtout, voilà, donc comment ça s'est passé? Sans doute, ils t'ont convoqué dans le bureau, ils t'ont dit des choses, vous aurez rien à dire, mais c'est ce qu'elle a dit, tu vas sur Facebook, tu mets. Voilà, c'est ça aussi. Madame, par exemple, Guéouen, il te donne un travail. Du jour au lendemain, elle me dit, voilà, je vais prendre un autre. C'est si on fait un contrat de 2 mois, 3 mois, on doit honorer le contrat. On peut pas. Saltara. Azul. Je connais Slimane. Oui, on se met le coup d'Amira. Amira, c'est pas mal, Arda Michel. Je veux savoir la raison exacte.
la raison concrète im difkani jmini zama nnem de voilà on veut akem nhabsi mais autant que mise on va prendre une autre voilà c'est-à-dire que même si elle met ses autres blectés plus mis même si elle le met voilà même si me donne même si comment ils sont il y a pas de voilà même si voilà qui n'est voilà sur Facebook comme les autres ça veut dire voilà ça veut dire à quoi bon de faire des élections puisque Winnie Brana Saline Winnie Brana à son bon je vois pas quel intérêt de faire Zama ils vont faire des élections de faire ça veut dire tout ça c'est un cinéma, tout ça, c'est une mise en scène. Voilà, c'est... Moi, personnellement, je ne comprends pas. Voilà, vrai refaire, mort... Elle va nous répondre. Amira, si quelqu'un de vous est malade, il a la question et pose la question. C'est-à-dire, Amira, est-ce qu'ils t'ont dit les raisons à Chimie, ils ont le titre? Est-ce qu'ils t'ont convoqué pour te dire qu'on va t'enlever le titre? Que voilà, il y a telle et telle et telle raison. Et comment ils t'ont annoncé ça? Voilà. Même ma chérie Chimie, voilà. Même par exemple, Nelara directement Chimie. C'est le problème. Où l'inquiéter nous aurait l'oblique, ni le titre. Amira. J'étais connectée sur mon téléphone. Est-ce le hier à toi lire les actualités? Tu as les actualités, mais où est la publication? Amira Mokrani n'est plus Miss Kabylie 2017. Donc ils m'ont même pas convoqué. Et Olid Seoulen, Olid Dinan Bilassan, il a un tel problème. Olid Dinan Bilassan, mais on veut mon annexe le titre. Olid Dinan Wallo, ou alors la publication de Facebook, comme qui n'aime chez nous. Laisse la raison. Amira Samhia, par exemple, étant annoncé que la première fois que je mets Miss à Kabylie. Oui, le 12 janvier. Voilà, étant annoncé que je mets là. Jour au lendemain, on annonce une autre. Est-ce qu'ils ont mis dans la publication suite à des problèmes tels, on a pris par exemple Tayinir, Miss Tayinir, la dauphine comme remplaçante Tichminia. On doit, voilà, ils sont pas bêtes les gens, quand même, mais du jour au lendemain, un sali, Younoum, Badan, Satar, Youn, non, on. Moi personnellement, voilà, il n'y a pas. Ta question c'est est-ce qu'une entité officielle. Est-ce qu'une entité officielle qui m'énerve. Mais sur Facebook, quand ils ont fait l'annonce. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est quoi ça? Non, quand il y a une élection. Non, les filles, pas en même temps. Non, puisque comme on est dans un pays dictature. Voilà, ça ne m'étonne pas un petit carnage bien. Mais oui, je suis d'accord, Rosa. Nabila, elle a les yeux qui sortent, tu dis, on dit, je t'ai jamais vu comme ça. Il y a le diable en toi, là. Le diable, Kabyle. T'as beau être dictateur autant que tu veux. Un appel. Mais bref, la publication, est-ce qu'ils ont justifié? Elle a répondu, Nabila. Rosa, nous connaissons la règle, c'est les auditeurs. Il y a un appel. C'est le pari, Chérif. Azul Flak, Chérif. Azul, Chérif. Azul Flak. Je suis en ligne, c'est bon. Clique en ligne, c'est bon, Chérif. Azul, Amira, va me dire vraiment bravo, chapeau par rapport à vous, le geste de Khamla Kenir. Et ce que je veux dire, je lance un appel par rapport à Tinet Khamla Kenir. Je pense que c'est la deuxième dauphine qui va se désister. Il va en désister publiquement. Et deuxièmement, j'invite tout ce qui est, enfin, tout le monde, vraiment, je voulais juste à quelqu'un, à t'envoyer un petit cadeau. Voilà. Chacun. Je pense que le meilleur cadeau qu'on peut lui faire, c'est signer une pétition. Juste pour un soutien par rapport à toi, parce qu'il faut soutenir le courage que c'est à quelques minutes. Salut, merci, Chérif, c'est le pari. Voilà. Voilà, c'était Chérif, c'est le pari, donc voilà. Ils appellent un peu partout. Il a dit qu'il fallait tout simplement que la dauphine se désiste et démissionne de son titre. Mais il va mettre la troisième dauphine, parce que là, il a mis la première dauphine. Il a bien annoncé, juste Martin. La troisième, elle va démissionner, la quatrième, elle démissionnerait. Et puis, ils prendront Khalida Messaoudi.
c'est tout simplement. Donc là, il avait, ce qu'il a annoncé officiellement, il a dit, j'ai pris la première dauphine, et Miss Kabylie, elle est éduquée, calme et n'a pas d'arrière-pensée. Voilà exactement son annonce officielle à cet organisateur. Voilà. Allez, direction Iwadayin, Gounigaran, à Sénégal, et Slimane. Allô, Azoul Asliman. Allô, Azoul. Monsieur Asliman. Allô, Azoul. Le Mouloud, c'est Wadda ici. Mouloud, c'est Wadda ici. Ah, Mouloud Hamarani. Exact. Mouloud Hamarani, Bouhouni, Tadarsi. C'est ça qui est Tadarsi. Tu as la date de naissance, c'est Mouloud. C'est la fin. Ah, je suis Amish. FBI. Hein? En plus, je ne sais pas, le fait déjà être investi d'un titre, Miss Kabylie, joueur de football, c'est déjà une responsabilité de la Kabylie. Donc ça sous-entend des pressions, ça sous-entend des déceptions, ça sous-entend le combat en général. C'est ça, normalement, il est zraf. Le moral, il faut qu'il soit toujours au beau fixe pour continuer. Oui, bien sûr, c'est ça. Revenons à l'histoire elle-même. L'histoire elle-même, c'est très triste d'entendre des choses pareilles parce que nous, en tant que militants politiques, en cherchant la sociologie, la région Akina, on a découvert que ce genre de discours nous fait beaucoup de mal en tant que communauté, en tant que collectivité. ايش بعد ربي انقرو دي صفار سي كخا مي راح ندخل من حاجه سي نرجع دوار غار طرفو كان كي حاش اسم سخي قوره دونك باش تي اونكور بلوس دو مال خاطر او دولا دو تا بتيت بيرسون اي تي بو ريسونتير دي شوز تي بو ريسونتير دو لا ديسيبسيون نادا شو لا سوسيتي برون ان كو ديرير تو سا اي لي جون كي يخدمنا نشتاكي جو بونس غرانا نشتاكي ني ني لو ساف تري بيان اي اترافير توا C'est toute la Kabylie qu'ils ont frappé parce que le moral collectif, il va recevoir des coups. Ceci dit, j'ai creusé sur la personne de M. Aït Hamed et j'ai trouvé que lui-même a des mauvaises fréquentations. En tant que personne, on a déjà fait le reste apparemment. Ils ont des réseaux de la ville de Tizi Ouzou, l'argent, le pouvoir, des trucs qui sont malsains. La mafia, tout simplement. Quand tu veux, il n'y a pas de problème. Zadamé, je nous connais. Merci, Moulou. J'ai une petite question. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles au fil de l'année prochaine? Les concours ne vont pas s'arrêter là. Quel est le message que tu délivres et qui veulent se présenter lancer dans le sachant que les problèmes à Migui et lundi déjà mais mazal tchichine ça c'est de timziz el tagi يعني que وجد مقارنقي مراد مراد plutôt مراد يتحمل voilà donc tu as entendu ma question avec qui connaissait la petite dinar pour Voilà. La première des choses, le mon souhait, nous qui t'imaginons qu'il n'y aura plus de concours de Miss Kabylie, parce que déjà, qui n'est personnellement, je fais un appel à toutes les filles, ou que l'année t'a dit, l'année, ou que toutes les filles qui ne veulent pas. Oui, Amira ? Du français, monsieur, que le concours, même si. Le titre, c'est un titre à respecter, c'est un titre de, c'est une fierté. Mais là, il va dire que le concours acquis sont monsieur de la Yves Canada, le challenge. C'est-à-dire il a quand même un comité juridique quoi. Oui mais non. Non mais là. Donc, personnellement, d'ailleurs, la partie que j'étais vraiment déjà pas mal touché chez nous d'ici au lendemain. Petite expérience, tu veux que notre blé, c'est quelque chose
l'inara à la hauteur, c'est-à-dire. Voilà, un kiné, donc je vais faire un kiné de Khmain, il a un filéra. De l'activité elle-même. Voilà, il a un filéra de Khmain. Je déjà, je l'ai vert de chez Hakib ou Inessa, je l'ai vert de Tmoudou, un appel, ce que je suis le cas d'ici, le Néocol. Ou encore, mais elle est ce qui est là. D'ici Simed 2018 janvier, elle est peut-être à tasser et tout sauver ce que fait les organisateurs. L'activité en elle-même, le concours en lui-même, c'est quelque chose de bien parce que ça va aller, mais c'est la politique qui gagne. C'est plus un domaine dont il faut que nous la dépendons afin qu'elle puisse se. Bien sûr, le concours normalement, il a dit l'idée, bah, j'ai dit, mais tantôt ça va aller, tantôt c'est un nif, tantôt c'est un ham. Rosa, moi je suis allé, il faut s'en souvenir. Voilà, donc ça fait partie du combat. Mais je pense que je me disais, est-ce que je me disais, au fond du concours, autre chose, il y a une question vraie, c'est plutôt ça, malheureusement. Tanmers Mouloud. Je pense à la société kabyle de se prendre en charge dans tous les côtés, on a des terrains pour des charognes, afin qu'ils les récupèrent pour faire de toutes les activités. Négatif des activités. Voilà, donc c'est un appel pour la société civile en Kabylie de prendre en charge toutes les activités. Parce qu'il y a pas mal d'activités, mais il faut qu'ils soient entre de bonnes mains. Voilà, c'est dommage. Merci à Mouloud, Slimane, Slimane, Yassine. Tout à l'heure, on vous retrouve tout à l'heure, un peu plus tard dans la nuit, donc pas de problème. Rendez-vous. Signe Azouli Massi. Allô. Allô. Azouli Massi. Allô. Allô. Oui, oui, Massi. Allô. Oui, Azoul Flak, oui. Amsa khair flawan. Amsa khair. Azoul Massi, avec Dinsella. Amsa khair flawan, c'est Dagi Massi Sipario. Azoul Flak. La mission chaque week-end, enfin, ça dépend en fait du sujet, parce que la faculté est la mise à Sénat d'abord, أول الناس مش الناس اللي كود هذا راس على نفس هذا راس قبائل عن توين مشي قدران أنت اللي كاس مش أسنين عطاك بالصحة مش في كذا في يوتيوب مش أي قبائل جسبر بيا مش هكون دين ناس مش وقد ثقيل كده يقول أنا كم شيء دين ناس مش بعيد السنين زو بختار الأورجانيزا شو جين كنيو وسمنا غارس يس je pense à mon avis mais les organisations qui nous sont mis grand deal d'ailleurs nous allons sentir que les c'est des organisations qui ont des faux organisations mais je le travail je pense à mon avis mais enfin il y a d'autres qui nous ont donné la question je pense à mon avis nous donne la question là t'as une question Massi alors si t'as une question pour Amira تنمير تماسي تنمير تماسي سي تري جونتي كل صحه صحيتو نكمل شي حاجه قد الدليل قد اميره واه كيما جيست ما تفهم خير الحوايج انا جو تو بروبوز جول دو بروندر ان اوتر اوديتور اي ابي ابره اون كونتينيو اويك اميره مولا شوري باسكو تا سي غلين ان اتانت فوالا اسيني رازول يا مقران ازول مقران ازول فلاش ازول فلاش ازول فلاش ازول
Un site Salvam Quran. Oui. Un site Sawalo. Oui. ثاني مرة ثنوان أزول شلوني الكل أزول يمسى أميرا أنا فرح يساك مش إمي ميس كابيدي تينا مستثنى ماذا شو ولدي سي أورغانيزين ماشي ذا كابيدي سي أورغانيزين ذي شن قنا ذي أورغانيزين دونك أين مديس نصفن ذي شن قنا نسدد انا 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 كنت ديال سنغورسن تيكل كاس فاغورو هذا سي ماديم شوف هذه انا نسيت من عندنا كني قبل وقال اسمي شنو مولود انك ذا شو اسي وضع اسي وضع اميرا يتحذينا يتكشيشنا اديت دونا يتكينا ذي مش كابيدي يكينا الكونكور هكي danas ksino skayamera et dernier puisque c'est dans l'organisation et le concours même si tu vois les hada quel est l'état d'esprit même si tu vois même si tu me même si tu gars les hada ni on va en voir mais quelle est cette ambiance cet état d'esprit est-ce que zara qui est-ce que j'ai dream كان شيء كان نغ ذل فرح نغ je sais pas نعم صراحة أنت دل حوايج في الكونكور ماشي شو هذا أمي لو كان كان غادي أنا نفرح سلو تيتر سلو تيتر سلو تيتر ني وي أميرة أنا خما لي بروجي صغير يتروزون راكني يعرضان لك لي بروجي ينوفغي راكني لكنو كي تشوف غانوك اللي يقول هاتينا كي تشوف غان لي موناس نين والحوايج على يدري نمسنو الحوايج على الشيعة نسنا والو لومبيونس بون لا كيستيون سي بور لورغانيزاسيون اللي تهضر نورمال سي دي زورغانيز لو كونكورني عاد نورمال اونتر دي اونتر لي في زاد مي الحاجه زعما حاجه بروفيسيون او بروفيسيون مي لورغانيزاسيون جام سي ام سي تحل فاضي سي سني وقبل التيتر وقبل اسكو سي اسكو سي مانيفيستاسيون كوراكت دي سافيك لي فالور تروف هادي لي تا ديسبري سا فدير ام سي تحل فاضا ام سي يتولى ديما نيم وسنينا متعدى كنيا شو هاتني افون لو كونكور نا ابري لو كونكور افون افون دورون لو كونكور نا افون Après le concours, on a un choix. Mais par les palatifs et tout. Et pendant, et durant. Mais justement, je t'ai dit qu'on a un concours. Avant le concours, on a que de répétition. Voilà. Non, je parle pas du déroulement. Je parle de l'état d'esprit. Je parle de l'ambiance. Un petit coup de femme. Est-ce que vraiment, Taqbaïdi, si ça représente les valeurs capillaires, etc. Non, ça défile. Bon, des défilés, mais beaucoup plus mat, ça va qu'on est déjà la robe kabyle, mat, ça les bijoux kabyles, bien sûr, dans la fierté, c'est une vraie kabyle, tu représentes la femme kabyle que tu es. C'est bien, cool, mais mieux que tu es général, c'est comme l'autre général, comme le bêche, on va faire une vraie ordinaire. Voilà, un mois après, d'ailleurs. Voilà, donc au départ, le état d'esprit, ça veut dire que c'est même, machin taqbaïdi, machin testique, machin. Merci beaucoup. Reste à l'écoute avec nous. On te retrouve un peu plus tard. Assinez Azouli Moi, et puis on va faire un petit break musical. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis on va continuer avec Amira. On va continuer avec Amira. Assinez juste Azouli Moi, et puis on enchaîne avec Amira. On va continuer avec Amira parce qu'on a envie de comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, Azouli Moi. Azul Flekigma. Anna Azul. Allo, oui, Azul, salam alaykoum. Et salam. Aïd, salam alaykoum, la kamwa. Attends, Amira, y'a dit que je vais te faire un petit peu de temps.
بون تزوره زوج لون كويس شوك تاقشوش تقي في عدد قل ميسيون اللي ميسيون كن لاشانين حداد افاتي دينا اسمي شو باس ما مام بالا لبيبليسيتي je pense non oui voilà après le mec il parle de sa femme Zamar c'est Hadayena Adrint bien qui de sa femme voilà sa vraie femme légitime mon passage j'ai activé d'accord il y a fait des deux le mec n'est déjà TV TV4 l'organisateur mais TV le passage le mec qui a gagné d'un tour c'est un matin que je me dasse bien accueilli tout ça bien entouré bon après vite le passage gain sur Radio Canu est-ce que bon ça joue là c'est un peu en même temps les nages est rare tant que le titre n'est pas crédible est rare vraiment garder tant que ça y est là une qui bon qui je y a du vite n'est pas comme ça voilà des noms ça le courage déjà trop hard n'est pas comme ça est rare vraiment garder tant que ce n'est pas crédible, tu sais, voilà, tant que c'est Warva Agil, la fin de la qualité de l'Isglina. Voilà. Tellement c'est à moi, merci beaucoup. Le titre, le titre, parce que premièrement, je sais qu'il y a le concours à qui je dirais que l'Aïf est venu à qui nous sommes. Déjà, l'Aïf est venu, c'est une signe qui nous a rappelé de l'Aïf est venu à qui nous sommes. La deuxième des choses, je veux garder le titre qui, malgré lui, c'est l'Aïf est venu. Mais déjà, le Kinia, j'ai un respect et le titre n'est plus que l'Aïf est venu. Les organisateurs n'ont rien à dire, mais je veux garder le titre parce que je le respecte. Le titre qui est de Miskabili, il ne mérite pas même pas de parler de Kfessin ni l'Aïf est venu de Kinia. Donc j'ai un respect, je veux garder le titre. Je veux garder le titre, même si je peux garder le titre. Voilà, je sais qu'il va là, parce que les choses à méga guerre va. Ça a le climat. D'accord. C'est le mérite à Mohagma. Et puis Amira. L'Aïf est venu. Amira. فلا وسي وثل حاجة نظن أميرا يفو باكون نوبلي يبثنا محوسي سي كاسميس في كان التيتخي نس اللي تي ميدياتيزي اللي تي دفون الجوري اللي تي دفون دي شيف فوالا دي جورنو اكسترا السي كيما رستكسن يلاق جستومان سافا سباسي دلا ميم فاسون دون يفون لا كونفوكي سديني نشو لي ريزون رستكسن دو دو دي لي الجوري ني بور ابروفي اي دو تخوا يفون يتر لا لي ميديا ماشي رستكسن سور فيسبوك فوالا اكزاكت Voilà, d'acheter qui est le jour du concours, le titre est ouvert par Fkanisi de les membres du jury, lundi Svaïsen. Il y avait des journalistes, il y avait beaucoup de monde. On bat le titre qui est de Ver Gunter Gifna Ozaran qui est de faire de la publication de Facebook, je ne suis plus Miss Kabili. Quand même, il faut au moins respecter les membres du jury, il faut respecter Avedi Hussein, il faut respecter le titre Nibedet. Il faut une raison valable, sur quoi ils vont voter, voilà. Est-ce qu'ils vont tous voter ou pas. Personnellement, ça ou la race, je demande une chose. Niras, ah oui, c'est les membres du jury, ah oui, c'est même les journalistes, les médias, ça ou la race, ça ou la race, la preuve, je suis vraiment, est-ce que c'est le titre, Niras, c'est qu'on dit que l'échappe avec la couronne, qu'on dit que c'est ça, à la table. Par une publication, je n'accepte pas. Merci beaucoup. T'as un joli maillot, le maillot de l'Argentine, donc Maradona, donc merci. Ah, c'est quel taille de moi? Oui. دليل ما كان زعما راه داويز تخمطي فوالا تاع ذويل تاع فونا تاع فود لا فلوس بور اسمها نادي دونا شي با لي كوليس كلان انتي كابيل فوالا اساكي اساك اش بي لي كوليس كلان ليكيب نبني دولا لي كوليس خدمنا لي كوليس الشامبيون ناسيونال فريمون سي فلاغون بون فا كونتاكتي حسين عزام راش نبني دولا تو سامبلون بريزيدون حسين عزام فوالا حسين عزام حسين عزام البريزيدون بني دولا اه بون الى الميم نون كو حسين عزام ميليتون دي ماتش با وي اون فا لي كونتاكتي بوركوا با تنمير سامح ميرسي بوكو
صح ميرسي باي باي تري بيانتو فوالا اوزا روح حاسب كاس خصي اميرة تسوق بون مي شي نو تافيك سيتي ان بو لانارشي سي با كوم شي توا انت بي اكزاكت جي في سي لانارشي فريمون اي با سويفر لي سوجي بون فوالا سي كوم سا سكي في الشارم دي ميسيون سي اوزا وي سي سكي في الشارم دي سورتو كون فو ديسكوتي كون فو ديسكوتي تو لي دو يتفرغ صوت نون مي سي با غراف انا ريان ديت غراف عليا Adèle, il est là, notre auditeur, demain, on va nous on fait comme tu veux. C'est toi la patronne. Qui est la patronne, ok. Honneur aux femmes, allez. Donc, Amira, on va dire chronologiquement, les auditeurs vont faire ils ont dit 2017 est la première dauphine de Miss Kabylie officielle parce qu'elle est calme, elle est éduquée et surtout elle n'a pas d'arrière-pensée. Voilà ce qu'il a dit l'organisateur. Donc, minimis, tu as parlé de la décision, tu es sur Facebook. Tu ne l'as pas contacté, tu n'as pas porté plainte. Comment ça s'est passé? Vraiment, tu as à partir de là, tes réactions à toi, qu'est-ce que tu as fait? Bon, qui n'aimait pas la publication sur Facebook, j'ai essayé de le contacter. Les premières journées, il me disait qu'il était dans la même pays. En bas de chez Garas, Rouyan. Apparemment, il n'y aurait même pas des paroles. Sans doute, c'est des gars. Il n'est pas de l'échisse. À chaque fois, dans la famille, il n'est pas de l'échisse. Donc il avait peur au fait du face à face quoi. Ça voilà. Fait penser à quelqu'un. Salut. 17e étage. Salut du 17e étage. Donc il avait peur du face à face ce monsieur quoi. Ouais. En plus, ça vous voir les soirs, quand même. Hein. Oh, arrête, commence pas. Vas-y, nous, à la fin. Oui, je te l'accorde. Voilà. Oui, Amira, Kimmel, oui. Je le contacte toujours parce que je vois un peu même si on est le Hadja, enfin, même pas fait chaud. Oui, Sinekin, c'était quoi tes réactions derrière? Restez à chaque fois. Ouais. Voilà. Et puis la réponse est que cette belle, tu n'es plus Miss Kabylie, c'est mon propre concours, le concours Yinon. Je fais ce que je veux. Khamarini, Yuen, personne ne peut décider. Tu as une chance, Thoroham, tu n'as pas accepté Choum Denir, Thoroham la chance, bah voilà, Houali Hajanir. Miss Kabylie, Zayn, Kfarorum, va voir quelque chose ailleurs. Voilà, c'était sa réponse. Et donc à partir de là, tu as fait quoi, Chimina? À partir de quand il ne veut plus répondre, ça dirait. À partir de là, même si j'étais vraiment triste, sincèrement. Ouais. Triste, il n'y avait que ma famille avec moi. Comme je suis étudiante de 21 ans, j'ai fait le tour des bureaux à Tizi Ouzou. Je demande le haqiyou. Où est le maire de Tizi Ouzou? Dans les journaux. Je suis Mdina, le maire de Tizi Ouzou. C'est ce que j'allais lui dire. Je suis Mdina, le maire de Tizi Ouzou. Le maire de Tizi Ouzou, c'est Wahab, c'est ça? Wahab, avec Mengelet. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. T'as pas rappelé. Tu aurais dû me contacter. Quand même, j'étais une étudiante de 21 ans. Elle dit c'est une qui demande de l'aide parce qu'on lui a enlevé ses droits. Mm-hmm. Ses droits. Quand même, il faut quand même quelque chose à se remettre. Quand même, il faut chercher les chouglènes. Mais rien du tout. J'ai laissé mon contact. Amira, c'était quand qu'il t'a dit ça officiellement? C'était le 10 mars, c'est ça? Tu m'as dit que c'était le jour de ton anniversaire même. Hein. Voilà. Le 10 mars. Oui, c'était le 10 mars, le jour de mon anniversaire. D'accord. Et donc, à partir de là, je me suis rendu à la publication de Facebook, justement, tu demandais des explications. C'est nous faisons sur le mur.
Voilà, la publication, d'ailleurs, attends, si tu partages la publication, ni dans les racines, ni reste quand même dans le coin de l'organisation professionnelle, ça ne passe pas comme ça, ni reste de mener à la situation avec une publication sur Facebook. Je demande, ni reste, je reçois une demande d'Ardma, c'est un appel. ناس خذ مثل ناس ويس دو كناس عاود في دو كمشي في لي جوري لي ويس لي دو كل خمسه دي انستيتيوشن لا ديستيتيوشن او موين زعما المعنى دي لا بوبليكاسيون واه واه لا بوبليكاسيون اي اميره درا جوستومون واه لو جورنال ليبرتي ني ان ارتيكل ني ان ارتيكل دينا بلي جو دوموند مون اتيستاسيون وين تي تخدمن مي كوم ميم كني ريان دو تو ريان دو ايش مني اسقي اسقي ايش مني شو قلنا ولا شويه نعم ايش مني اميره اسقي اسقي اكيكثورا دونك اينوكس ولا زين سيد في المورغز قالت سيد هضر في من ولا كل دي فيسبوك شو يهضر في المورغز كي نولا كل ديسكوسيون اون بريفي تهضروا مي دو سو فورم زعما ماشي من نتاج جو نسي با دو كال بارتي كسي سورتي سي ديسكوسيون اون بريفي Dans tout ce qui te reproche, Netsa, Chimini, autant que Miss 2017, toi, est-ce que tu as des choses à te reprocher, c'est-à-dire à ton avis, à toi, pourquoi lui t'a enlevé ce titre? Voilà ma question directe, on va dire. Je suis allé la poser, tu vois. Ouais. Finalement, c'est toi qui aurais dû faire le débat Macron, Marine Le Pen. Ah, bah, je débrouille bien, je t'assure. Hein. Attends, je vais te faire marre. La réponse à la question à laquelle je ne trouve pas. Bon, on sait tout, mais il peut pas, il a pas suivi la dame Khoury, net d'Ukhara, ou l'âge, ça n'existe pas. Donc lui aussi, Zmirala dit Niblé, que ça reste le titre parce qu'il a refusé ça, il a refusé ça, il a refusé ça. Donc, pour lui, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour toi, t'as pas de réponse. Donc, tu gardes ton titre, sinon tu n'es plus Miss Kabylie, mais le titre. Amira, justement, vraiment, il te faut une réponse sur chaque phrase. Cet organisateur-là, donc déjà, je t'ai lu déjà tout à l'heure. La première, c'était Miss Kabylie 2017 et la première dauphine parce qu'elle est éduquée, calme et sans arrière-pensée. Est-ce que tu vas dîner à partir de ces phrases, ce monsieur? Moi, d'ailleurs, il n'y a pas d'arrière-pensée, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a, je respecte, malgré que je respecte les filles, je respecte les dauphines, je respecte toutes les candidats, je respecte tout le monde. Mais qu'il y a peut-être, parce que j'ai compris, j'ai refusé Inik Vra, donc pour lui, j'ai des arrière-pensées. Mais là, qu'il y a les propositions, donc pour lui, c'est des arrière-pensées, ça. C'est-à-dire, tu n'as pas compris ses arrière-pensées finalement à lui. Voilà. C'est fallait ça, comprendre. Il fallait donc, les comprendre. Mais je n'ai pas d'arrière-pensée. Ouais. Alors une autre phrase, Amira, mon club, je suis d'Ardaflès. Vous ne savez pas. C'est parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a fait cette fille. C'est parce que vous ne savez pas cette fille qu'est-ce qu'elle a fait. Je suis très mauvaise. Nous, c'est la malade. Je suis très mauvaise. Chichtegi. Il a qu'à dire à Choukhdma, mais il a dit que c'était Diaoui, qui est chère, qui est dans le cadre, le défi, mais il a dit que c'était Diaoui, en plein public, qui a été partagé même sur Facebook. Le défi, qui est resté. Allô? C'est clair. Avec plaisir, il a dit à Choukhdma, je sais que c'est le titre qui est. Moi, c'est oui. Ouais, ouais. Bah, durant les dans n'importe quoi, Karas Billy, quand on kiné, Karas, je sais pas, Mikiné, Karas, des bouchalfans, autant Horan El Vourni, Katate, les sentiers, les coiffeuses, les soirs d'Yen, quelque chose comme ça, quelque chose. De toute façon, je suis là. Exact. Et en plus, normalement, en tant que Miss Kabylie, tes coiffures, elles sont gratuites. Hein, logiquement, les Miss France, leurs coiffures pendant un an, elles sont gratuites. Hein, mais bon, non, bref. Il a mis une autre phrase à Amira, il a dit cette jeune fille, elle a utilisé son titre pour des fins qui sortent du règlement de Miss Kabylie. Des fins politiques peut-être. Elle a utilisé son titre. Donc, elle a utilisé son titre pour des fins qui sortent du règlement de Miss Kabylie.
pour autre chose, voilà. Voilà, je vais parler un peu de ça. C'est un coup interne ici. D'ailleurs, c'est un petit shooting avec un magasin à Tizi Ouzou. C'est un petit shooting de photos avec des robes de mariée. Avec la première dauphine et la deuxième dauphine. D'ailleurs, il y a les photos partout sur la quilante, les photos. نخميسيت لاسا من بعد نتا بور بروفيتي ما يتحوي ساكني كديفتيس بيبي ني سيمش طاحني وكل لي كوزني وكل واش غي بغا ييك سوكل طونك ديو في على لا بريما فوتو دمت لا فوتو يونس لا روب دو ماري بوبليتي دون ان كومونتير قالس فوالا سي بور سافري غاتك سا خاطر تخمد لا فوتو سلا روب دو ماري طونك كينيا سي ان شوتينغ انت اختي دي بوين يا لو يزرب لي راس نخدم بوي انا اختي نخدمي سان كينك لي دو دوفين فوالا. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire des photos avec des robes de mariée. Venez de ça. Il serait dans un piège. C'est-à-dire que vous voulez trouver des faux prétextes, on va dire. Ouais. Et il avait dit une dernière phrase, Kanamira. Elle est venue avec une idée. Ça, il a dit beaucoup sur ses interviews, ce monsieur. Mais bien sûr, tu as le concours, tu as le hajj, mais tu as le hajj, tu as le hajj. Bien sûr, il faut faire un but dans la vie, il faut faire un objectif. Alors, le concours, bien sûr, c'est un objectif, c'est un objectif. Mais là, comme un critère, la démarche très bien. Comme les répétitions avec, comme même une formation avant le concours, parce que je voulais avoir le but, you know, voilà. Tiens, une idée. Et normalement, en plus, être audacieuse et ambitieuse, c'est parmi les premières qualités dans tous les concours. Voilà. C'est pas que Miss, hein. Voilà. Dans tous les domaines, on va dire. Bon, Amir Ansa, c'est où il est en train d'écouter, j'aimerais bien. Il est en train d'écouter, tu peux être sûr. Ah oui, c'est sûr, ils sont en train d'écouter. Voilà. D'ailleurs, ils ont refusé, je tiens à le dire, ils ont refusé mon interview. En fait, ici, on prend ici notre chère Haddar. Exact. Et Haddar, d'être allé de Gawal Wahdes. Ouais. Normalement, Kini, j'étais la seule radio qui devait vous inviter tous les deux. Hein? Et c'était oui de l'autre côté, mais après ça a changé. Après c'était pas un non, c'était un blocage. Donc après direct Brokini et Facebook, donc ils avaient peur justement de ce face à face. Je tiens à le préciser justement, les auditeurs et des salons, voilà comme ça. Voilà, donc Amir Ansa, Kamel Chenen. C'est pas les raisons de ton accident. Et ça, sur Radio B à Rosa, il faut donner la fréquence et tout, voilà, les horaires, comme ça ils vont. Ils t'ont bloqué ou ils t'ont bloqué là? La voiture. Aïe, mais oui. Les deux. Ils m'ont bloqué. Donc après, ce goulet de la publication, Nino, lancera un appel. Le Rachid Walanil Kouli lancera un appel. Monsieur Tel m'a bloqué sur Facebook. Parce que voilà, donc ils étaient d'accord. D'ailleurs, j'ai un témoin de qui. Et madame, elle était bien d'accord pour faire l'interview. J'ai pas demandé monsieur, moi j'ai demandé madame. C'est parce que je voulais que ça reste entre filles. Voilà, donc la miss, moi et madame, l'organisatrice. Mais ça, c'est du sexisme, Rosa. Non, c'est pas... Je n'ai déjà l'émission de Mekniché, ouais. Et Amira, justement, c'est une qui n'est vraie, elle n'est pas ici, je le souhaite. De mes amis, voilà, en direct. Exact. Et finalement, ces organisateurs ne voulaient pas passer... On va prendre Kamel. Allô? Azoul Kamel. Allô? Assalam alaikum Kamel, Azoul. Azoul Flawan. Ah, c'est le karav qui a un son taqi, hein? Jinjin. Ah, c'est le karav. Jinjin, ok, c'est un des taqi, hein? Azoul Kamel. C'est un pas très bon sujet, le Jinjin, le soir. Ouais. Eh bien, pour les auditeurs, c'est Kamel Chinani Glani Dnar. Et puis,
شبيه بربي في الذي مكل فمسلت في الذي مكل فلوفت يعني اكتجاني مثلا قالني ما نسن ذي الحوايج ونلاقارا ونلاقارا بارش كل مرة طول بار اكزامبل في القيش تمتاقي اميرا كيفاش هذا هذا ما كيجي تودا انت تروح تسني الناس تروح تخدم نكونين حواجة كيجيت ولا وين الشبحة انتو داني القبائل دفاننت ثمورا نظن دي برا نكونين غالي نبي في قلعين وكي قالي معكان منظيش بيض ربي كايلا ولا قرا دي فرب بنادم ولا قرا دي فرب بنادم لا بيرسونين على عباد سي خدمنا كاي فو دي لونسي او جون الزرم باللي فوالا فين ولا شو خدام مثلا ولا شو كمال اكسترا فعقلني مذان كمال داك الشيء الحوايج وي كمال سمحي لي يسمع ان فارس تاغوني سمح لي يذنا ثورا امي تصاولت المرثينك كمال شناني قلاني يذنا يمسفلي ذن اكيد استقصي اسكو شيني ذا شناي تخدم هذا لي كليب قليك دي الموند ارتستيك اسكو دون سو موند يثلي ذاكاكي il y a ce genre de problème mais il fait par exemple bien sûr il l'a كشينا سكوز ما كونفيرمي دان شتاكي كشينا تخدم هذا لي تورني تخدم هذا لي غالا تخدم هذا لي 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 ها ويتسلي ظلام مليح إنيش علي كمال إنيش ذي الدومين دو لا شونسون اسك تسعم لي ميم بروبليم اوسي سيتادير لي شونتوز لي شونتور اكسيتيرا سعم لي ميم سوسي شم بينا الحوايج كي كانت تسقنا نكون يدي مزوره كونو لي شونتور غوان بلوس في لي زورغانيزاتور اكي والله انا زرغاش متسخي ضرب بور تاكل لا تكنيك